on avait dit un truc. On avait dit que c'était nous qui allons à gauche et Dreams qui va côté droit cette fois. Pour avoir l'AD sur lui et puis les voir, tout ça, il est content. Ouais, donc Dreams et Izena à droite. Enfin, Y a pas Izena! c'est qui? Dreams et Robard. Voilà, Dreams et Robard à droite. Robard, gaffe à toi, mec, c'est un dangereux loco. Et. Mais limite, attends, Canox. Va à gauche, moi je vais au Oh. milieu. Non, 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 toi et moi à gauche. Vas-y, prenez tout là, faites-vous plaisir. Ah, mais Deux vous secondes, parlez deux des secondes, deux flammes? secondes. Comment? Vous parlez des flammes? On fait pas FFA, hein, on est 4 cacs, je crois. Oh là, FFA, on On va tous fait pas mourir, FFA, hein. non. Surtout pas, surtout Clairement pas. pas, hein. Le niveau de nos cacs n'est pas non plus très élevé, je sais pas où t'étais avant, mais chez nous, voilà. Qu'est-ce qu'il dit lui? Qu'est-ce Les cacs, c'est les mieux rankés de la guilde. Moi j'aurais dit c'est les C'est tanks sûr. limite. Mais y'a que Zilot En qui est devant prenant nous toutes en les habiletés et caster. en faisant pas les kicks, c'est bon. Regarde, y'a que. Enfin les cacs. Les cacs autres que War. Hein. Vous le cédez! Allez. Parle à qui là? À moi? Ouais. Pas compris alors. Non, ça commence à faire beaucoup de debuffs. Ah bah c'est sûr, ah, mais putain, qui c'est qui m'a dispel là, sérieusement? T'avais 8 Je pense que stacks. c'est Neyel. Putain! Même avec 8 stacks, t'arrives pas à faire mieux? Ah bah, putain! On m'a dispel instant, j'ai claqué full CD, j'étais sous diffus, je prenais 0 dégâts, on m'a dispel. Ah, moi je suis peut-être pas au top rank all-star, par contre, kick en déplaçant, ça, j'arrive encore à le faire. Bien joué. Bah, de toute façon, je le fais tout le temps. Donc, c'est vrai qu'en général, même s'il n'est pas à trip, il en fait plus que toi, Galeuse. Bah, très bien. Ça me plaît pas, mais bon, c'est ça où on meurt. Donc. Et c'est parti, go. Ah, j'ai go. Ah, oh, comment j'ai pas envie en vrai. Pourquoi? On sait pas. Que tu meurs tout le temps sur le boss. Si. Mais... pas forcément. Tu vois, quand on parlait des cacs, ah, autre que pas War, hein. Ça commence bien. Hein. Pas revu, désolé. Il commence déjà, il meurt. Ah, robot. Pas la bonne spé. Tu as déjà fait ce boss? Hein? Robard? Oui? Tu as déjà fait ce boss? Oui, mais en héroïque. Alors, pour info, je vais straf à gauche. Straf à gauche, et après on vient sur le pays. Mais faut qu'on fasse ensemble! Tu fais comme tu veux, c'est mieux. Ouais. Non mais j'ai dit je strafe à gauche. Non je strafe à droite comme j'étais à gauche. Parce que moi en fait avec ma coche je reste quasiment sur place. Non mais moi je suis enfin, obligé d'éviter la voie de type. Tu sais que c'est le seul cac qui va te mettre des voids sous des casters. Hein. Et... c'est un talent quand même. Non la coche ça émunit. Ouais, ça émunit. Oh bump. Bref, on va après. Donc la strat, je pense que personne ne l'a fait. Donc, pour ce qui est de la P1, c'est simple, y'a rien qui change, à part que ça fait beaucoup plus mal. Donc c'est-à-dire... désolé, je disais quelque chose en même temps. Donc c'est-à-dire que... donc tous les casters, donc il n'y a que Dora qui connaît pas. Donc Dora, tu bouges pas en P1, si t'as la frappe tu bouges pas, si en fait tu bouges sous aucun prétexte, parce que bouger c'est ce qui te fait le plus de dégâts. Le seul truc où on bouge, c'est le marteau. Quand il y a le marteau qui pop, on se rapproche tous du cac pour tous être dans le marteau. C'est plus simple, c'est plus safe, au moins on est sûr que personne meurt. Quand vous avez une frappe, vous ne bougez pas. Quand il y a une frappe juste à côté de vous, vous pouvez faire un petit strafe pour l'éviter.
Et quand il y a la tempête, bah, vous faites juste un sort de pas être bum, parce que si vous êtes bum, vous traversez toute la map en volant, et je peux vous dire que celle-là, vous prenez un maximum de dégâts, quoi. Donc ça c'est pour la P1, dès que la P2 commence, 65% pardon. On se va spacker sur la gauche du boss, je mets des signes maintenant, je les enlèverai ensuite pour pas que ça perturbe qui que ce soit. On spack en gros au cac du boss sur la gauche, tout le raid. Vraiment au cac. Si vous êtes pas au cac, après ça va poser des problèmes, vous expliquerai pourquoi. Et tous ceux qui ont les fonds, vous allez sur la droite du boss, au cac aussi. J'enlèverai les signes, mais voilà. En gros, c'est ceux qui ont pas les fonds au bleu et ceux qui ont les fonds au rouge. Vous trompez pas avec ça, sinon vous tuez le raid ou vous mourrez tout seul. Dans les deux cas, c'est pas bien. Donc, c'est des heals, vous avez la grande taille d'habitude. Vous reclaquez vos 3 minutes sur la BL, donc Adrien annoncera la BL, c'est que vos 3 minutes sont revenues. BL, full CD, 3 minutes, repote pour tout le monde, s'il vous plaît. Personne n'oublie ça. La repote en P2, sauf pour Dream. Et ouais, du coup, Dreams. Sauf pour Dreams. Donc, tout le monde repote en P2. On passe la P2 rapidement. On arrive en P3. Donc, là, la P3, ce qui va changer. Ce qui va changer, c'est qu'il y a toujours les deux autres auras. Donc, vous allez prendre des dégâts de tout. Donc, c'est à dire qu'il faut pas bouger comme des gogoles. Et il faut pas se laquer dans les voids. Parce que les voids au sol font très très mal. Donc Zelot fera des décomptes 3, 2, 1, on bouge. Vous bougez pas à 3, vous bougez pas à 2, vous bougez à 0. C'est quand il le dit et vous faites le minimum de déplacement. Vous sortez vite de la void, une fois que vous êtes dehors, vous bougez plus. Bon, vous faites pas des strafes à droite à gauche pour vous amuser quoi. Comment ça coule. Pas trop vite. Par les dégâts. Le marteau il est passé quoi. Ouais, mais non, faut pas risquer. Non. J'ai claqué mon AM pour rien, et du coup on l'a pas eu après, on a perdu des gens sur le buff, le deuxième buff, donc c'est. Vous voyez les signes que je mets? Le boss il va faire ce trajet en P3. Il va partir de là où il est, on est tous paqués sur le tank en P3, donc il y a un signe sur les tanks. Je vais te mettre le carré à ma place là. Et met un incinéral. Donc il y a un signe sur les tanks, on est sur les tanks pour que les flaques soient bien au même endroit et pas n'importe où. On se déplace tous en même temps, on va aller vers le violet. Quand on va arriver au violet, il va y avoir un bump. Donc le Gavel of the Tyrant, donc le marteau de la despote, un truc comme ça. Ce bump là fait très mal, il y aura des CD heal, vous claquerez vos CD perso. Parce que il va y avoir double bump avec le pop de l'ad et il va falloir se déplacer ensuite. En gros, le trajet qu'on va faire, on va aller jusqu'au violet. On va ensuite aller vers le orange, longer la barricade de l'entrée. Vous voyez, et aller ensuite vers la TDM. Vous voyez à peu près le trajet. Donc voilà, vous savez qu'on passe par là. Alors sur ce trajet, il y aura deux trucs très importants à faire. Enfin, si vous faites un fail, vous faites wipe tout le raid. C'est les marteaux. Donc les marteaux violets que vous avez au-dessus de la tête qui font des dégâts sur tout le raid. Ils vont pop en P3 et la P3, son effet c'est d'augmenter les dégâts subis par tout le raid. Donc autant vous dire que si vous restez en raid avec le marteau, vous one-shotez tout le monde. On ne peut pas se permettre de prendre les dégâts d'un marteau en mythique. C'est pour ça qu'il y a des gates démo. La première gate qui est entre le bleu et la lune sert pour le premier marteau de la P3. C'est-à-dire que la première personne qui a un marteau en P3 se suicide, elle prend la gate instant et elle va mourir là où elle arrive. Elle ne bouge pas quand elle arrive, elle meurt. Idem pour le deuxième suicide qui sera au niveau cette fois de la même gate mais du côté violet, vous voyez ce que je veux dire? Elle fait aller-retour en fait. Donc à l'entrée, enfin vous pourrez prendre côté vert pour vous suicider, et ensuite quand on repassera sur la gate qui est violette qui est posée là, bah il y aura le deuxième suicide. Ouais, sur le chemin. Quoi. Voilà, elles sont sur le chemin, vous verrez, on annoncera suicide dans 3. Vous mettez déjà votre souris sur la gate et vous êtes pas kické. On n'a pas un tick à prendre du Marco, ça peut tuer tout le raid vraiment, mais on a très peu de PV maximum, on a très peu de. On prend beaucoup de dégâts, donc vous ne laissez pas un seul tick passer sur le raid. Oui. On va dire deux choses sur les marteaux. Vas-y. Je finis juste. Dernière chose, il y a la rota. Dans la rota CD, il y a un moment où il est utilisé un shield chronique parce que ça fait beaucoup de dégâts et on risque un one shot. Un shield chronique c'est un comme une pote PV, c'est sur le même CD mais ça met un shield. Donc en fait ça permet de pas se faire one shot. Donc si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à en demander. Canop sur un Minecraft, il y en a beaucoup je crois. Voilà. Sinon, petit truc conseil simple, vous mettez vos CD perso d'une minute sur chaque marteau, ils seront up à chaque fois. Vous ne bougez pas trop et vous paquez bien sur la personne qui l'a jusqu'au dernier tick. Notamment en P2, faites attention, c'est pour ça qu'on se rapproche bien du cas quand tout le monde soit dans le marteau. Deux choses au niveau des
Alors j'étais pas au début de mon strat. Si vous avez par exemple un mec, on va dire Dora Talmarco, tu vas prendre la guette, surtout que tu ne déterres pas parce que c'est possible que tu re-aies le marteau dans la foulée et dans ce cas t'as plus la guette et on meurt. Donc faut que tu meurs, on s'en fout que tu survives, tu meurs. On n'a pas besoin d'être tous les jours. Ceux qui ont le droit de ne pas mourir, il me semble que c'est les paladins sous bulle, le boss ne peut pas vous target avec ses flaques quand vous êtes sous bulle, et les rocks sous colle, ça doit marcher aussi. Oui mais il y aura Oui mais non mais il y aura quand même le deuxième marteau qui target la cible et qui gagne. Ah mais ça après c'est... Il n'y a pas de marteau sur les rocks de toute façon, on s'en fout. Oui les rocks. C'est sur les casters. Ça après c'est un putain de bad combo. Ouais non mais de toute façon, tentez pas le coup. Les BR c'est pour les healers, on a pas besoin de tuer de DPS, il y en a deux qui vont mourir. Dernier truc pour les marteaux, je annoncerai à 10 suicide. Suivant les timers de DPS, il y aura soit un déplacement plus suicide, ou alors parfois même les deux en même temps. Juste, faites pas les coups, mettez pas sur la gate, on sera à ce niveau-là, on sera ici, sur la gate. Et vraiment, il n'y a aucune excuse pour la gate, on sera personne dessus, on regardera sur les lols s'il y a des gens sur la gate. Mettez pas sur la gate, ça fiche tout le monde, surtout si vous êtes bourreau. C'est pour ça que j'ai changé ma vie. Ouais. En phase finale, comment je fais pour backstab, je peux pas. Pourquoi? Dans ce monde, il y en a un. Non, parce que si tu n'as un côté en fait, tu peux te mettre derrière le boss. En fait, tu joues rock comme ça. En fait, le truc, c'est qu'on est tous devant parce que les flaques on pop devant. Toi, si t'es derrière, bah tu vas avoir plus de trajet à faire. Donc, il faudra que tu aies un uptime de 100% sur ta feinte, limite, mais tu peux. Mais non, il peut se mettre en diagonale. Regarde, imagine, Andro, c'est le boss. Bah, s'il se met là où je suis, il a le dos, hein. Et il est pas dans la flaque. Non, je me débrouille, mais je crois qu'il est calé, quoi. Ouais. Le boss, il fait tourner. Là. Fais gaffe à bien refresh ta feinte, parce que voilà, histoire de pas. Tu vas prendre un peu plus de dégâts que les autres, vu que t'auras un tick de plus de la flaque, certainement. Et voilà, refresh bien ta feinte tout le temps, et normalement, tu peux rester un peu où tu veux, il y aura pas de soucis. Bon, du coup, Kanox et moi, on est à gauche. Azu et Manuel, vous êtes au milieu. Et zéro barre, vous êtes à droite. Dernière chose, je sais pas si j'ai du right. Vraiment, tous les DPS, deuxième pote pendant la BL, sauf War et Prêtre, je crois que t'avais dit right. Ouais. Il n'y a pas d'aura, sauf Dreams en bête. Tous les DPS, deuxième pote, il n'y a pas de jeu garde pour une OUV ou je sais pas quoi. Ouais, pour les cuts, y'a qui avec Dreams sur ce truc? Moi je me mets avec Canox. Comment on fait lequel? On fait le cut 2 Canox? Cut 1 nous. Je sais pas, rangé où ça? Bah, vas-y, vous faites le cut 1 du coup? M'annonce Dreams aussi. C'est parti ou... C'est un peu... Donc c'est Manoir qui est derrière le boss à toi. Ouais. Bonne chance pour Bar. Hein. T'inquiète. J'ai mon trompe la mort, donc il laisse plus de choses. Ah mais oui, lui ça tient. Je vais m'aider de survivre, mais là. C'est parti. Terrasse, on est important. Red machine. La bague. T'es un peu mec avec. Tu veux pas en vrai faire un temps. Il va avoir un marteau, enfin le film.
avec le marteau, c'est des persos ennemis. Encore une frappe, on pourra aller se passer. C'est chaud, Arrétion. Ça va passer. 73, hein. Ouais. Non, encore une autre. Hein. Non, encore une, effectivement. On va enchaîner sur un marteau là de suite. Mais je pense qu'il y a des gens en fait. Enfin, c'est du. Merde. Ah bah, je suis mort. Reste sur Chorizo. Porte. Pourquoi la tête jamais en là? Parce qu'il y a des gens qui ont ce jeu dessus. When it looks like I am the queen, the wind is howling like this swirling storm inside. Oh, pardon. Son gros pardon, ça va être la belle bientôt. Maintenant. Et là-bas, pardon. On va faire le prochain kick. Suicide dans 10, attention. Qu'est-ce que c'est sur le... On a l'infirme. On va prendre la réponse sur le... Suicide. Reste. Rien. 2, 2, 1. Elle est nulle en fait. 1, 2, 3. Faut dispasser le complet ça. Assure l'infirme dans 8, hein, c'est bien fait. 3, 1. On se met lentement dans le mur, y'a un raid. Je le mets dans le mur. Eh, hey, concentrez-vous là. Prends le mec. On a reperdu l'infirme. Je peux voir quoi. C'est large là. Comment on a reperdu ah, il s'est fait OS, il a pas mis les terrains, c'est l'OS. Tu vois qu'il a claqué son sprint et il a couru sur le boss. Bah non, je suis resté sur Zilot donc j'ai pas claqué le sprint. Il est res. D'accord, et donc il. Est-ce qu'il y a eu le bump juste après le carambouille? Ouais. Je l'ai res avant le bump. Il a dû accepter quand ça a bump, je pense. Je l'ai res, mais il y avait rien en fait. Enfin, je l'ai res, genre le bump il était dans 5 secondes. Oui, effectivement, doucement sur la dégâts. Non, mais y'a pas de doucement. Vous y touchez pas là. Là, c'est juste du cleave, hein. Y'a pas. Pas quoi plus, hein. Par le dernier. LD. Quoi? Le dernier. Pas focus, man. Après, pas de focus. What? T'inquiète pas pour moi.
Après, moi, si je focus le boss, c'est pour donner une chance aux autres, hein. C'est pas... Ah, d'accord. Bah, je sais pas, moi, je vois que je me retrouve quand même devant toi en équipant en mage frost. Là, t'es devant moi, là. Tu te vois devant moi. Sur le boss, oui. Hi guys, if you like what you hear and see, please support me by subscribing. Comment ça, je comprends pas. Bah, sur le boss. Sur les dégâts, sur le boss, je suis devant. Je fais 7 millions. Non, mais je suis en givre. Non, mais je suis en givre, c'est évident. Bah là, du burst boss, enfin. Enfin, la P3 elle dure vraiment trop longtemps. De toute façon, pour avoir un suicide, enfin, la P2, pour avoir un suicide à l'entrée en P3, c'est un déplacement long. En temps normal, on fait un déplacement long. Après, ouais, on avait pas. C'est pas pour le DPS qu'il fait. Et en mono, ça va sur ce boss. Ah mais t'as le jeu de lance en même temps que tu joues. Non là il est fermé depuis le pool de Benari. C'était bien quand même hein. Ouais. Ça va. Je crois qu'on allait l'OS quoi. Non bah j'étais serein. Bah ok là. 9 stacks. Il y a un solo tank, des DPS, t'es serein. 9 stacks t'es serein. Bah détends calme. Après l'infi il prend un raid, il meurt. T'es fait, j'ai essayé de lui poser mon guide, il est même pas parti d'abord. Il est mort. Qui m'a donné cette transmo dégueulasse que je m'insulte? La pièce d'Halloween. La pièce moche. Aussi, hein. Le mec Xou. C'est même pas Xou, c'est qui cette transmo encore dégueulasse? Pourquoi j'ai une transmission d'ailleurs? Déjà, t'as TP non? Ah non, mais les gens qui savent pas en fait. C'est. Ah ouais. C'est son nom de clan. R1, ok. R1, ouais. T'en fais ton trick, Celdry? Non, non. Oh, t'as moyen de jouer à cette porte démo de merde là? Non. Elle dépend dans combien de temps? Elles sont belles. 2 minutes 30. Ah là. Putain. 2 minutes là. Ça sert 23 à la pierre. Et en plein, en mon emplacement. C'était pour que tu cliques dessus. C'est cool. Ah oui, je vais me décaler comme ça, je vais me mettre sur quelqu'un d'autre. Ce sera ton repère. Mais au pire c'est pas très grave. Vas-y go. Dream c'était vrai? Non, au pire. Ouais. Vas-y go. Le mec il faut lancer un TP. En parlant de ça, qui est sur la main gauche de Valérie? Ah c'est pour ça, d'accord. Alors, tu t'es collé à nous à un moment, Kiwi. Hein. Ah c'est vous? Tu t'es collé à nous à un moment sur une tempête. Ah vous étiez plus de mon côté que de l'autre hein. Bah on était à gauche du boss quoi. T'es venu merci sur de nous, claquer hein. La bague plutôt s'il vous plaît. Bon. Et c'est normal, c'est le souffle au début. Oui. Retourne derrière le boss. Manwer, va derrière le boss, s'il te plaît. Ouais, je sais. J'ai vraiment marre de quoi. Et tout le monde le suit, ça déperce une minute. Manuel, s'il te plaît, t'as un placement en fait. Et là, tu es dans le.
Là le boss il a bougé donc. Je replace juste après. Comment ça vous placer? On met l'aide à 20%. Sacré Urek. Avec les pads dans mon canot. Ça va être marteau plus full CD bien. Attention groupe 1. Ah, c'est parti Burst. Faut-il pas les allotes s'il vous plaît, que j'ai pas. Tu vois. Ouais, que ça crie. Je passe tout bien avec les fonds s'il vous plaît. Et... attention un peu, tu peux. Pas les 4 canards. Allez, ça passe, c'est nickel. Terminé l'AD. On se pile sous le tank. Suicide dans 5 secondes. Oh, pas du tout en fait. En 3, 2, 1, on bouge. Suicide se bat tout de suite. Hein. Suicide dans 10. La gate elle va être mal placée, il va falloir qu'on... Il y a la deuxième, deuxième. Ah, il y a la deuxième. 3, 2, 1, on bouge. Suicide en 3. Va vite, on remène. J'aime, tant pis. On remène, c'est des persos. 2, 1, on bouge. Lentement dans le mur. Prenez pas de dégâts inutiles là. Attendez avant de laisser des persos. 2, 1, on tombe sur l'AD. Ouais. Bougez pas. 3, 2, 1, on bouge. Pas de déplacement inutile. 3, 2, 1, on bouge. Ouais, que ça crie. Il y aura bientôt un moment où on perd les temps, il va falloir pas perdre les temps. 3, c'est pas 2, tout de suite, il y a le suicide avant. 1, 0, on bouge. Suicide dans 10. J'ai vu la gate là, là on va se faire gate. Bump. On va se faire bump, ça va être chiant là. Manoeuvre, il s'est fait sur suicide et bump. Enfin, et suicide. Ah, bref. Bon, bref. J'ai erreur, on peut barrer. 1, on bouge. Il y a une drop and sur l'infier. Ah, le bump plus flak dans le raid. Enfin, oui. C'est pas mort hein. On bouge. Y'a deux raids hein. Faites-les, RS. 3, des DPS, des DPS. 2, 1. Et des trucs avec des immunes, n'importe, soyez intelligent. Y'a 2 res. Hein. Ouais, bah faites 2 res sur les trucs avec des immunes. Un ballon, res, je sais pas, un hunt et. 3, les res 2, 1, chorizo. Un bump, full CD. Et bulle, tout là. Bouge. Suicide dans 10. Voilà mon pote, y'a plus rien de F. Tout sur Kiwi hein. 3, 2, 1, on bouge, suicide, maintenant. Et ça coule. Un bandage Orex. 3. Sacré Orex. 2. 1. Oh, oh le nice. Posage de la gate. Oh GG ça coule. Pour pouvoir te PGR. Suicider derrière dessus. Par contre dans la fiat, tu fais vraiment. Je suis vraiment désolé pour mon suicide, mais franchement, le bump gate qui m'a décalé de la gate, j'ai dû faire un truc chelou. Enfin, trop j'ai dur. J'ai cliqué à la fin sur Eldry en mode de, je sais pas ce qu'il y a la gate, je passe ma souris, clic.
Ça m'a sauvé. Ah GG. Hey, go Manorot maintenant. Go Manorot. Ah GG. On va voir les reines s'il vous plaît. Non. Ah dommage. Tu peux reload normalement, c'est bon. Vraiment, faut que j'aille respect. Voilà. Zeus, comment on fait pour les cataclys? Il faut alterner. Tour, hein. Mais qui c'est qui commence? Parce que celui qui commence, il a à chaque fois sur la bague. Ouais, c'est avec le glyph. Et jouer avec le glyph. Vous avez tous les deux cataclysmes? Ouais, comme ça, les diapotins ils seront sûrs de se faire. Ah, la P3, ouais, non. C'est comme vous voulez, hein. De toute façon, je vais prendre l'aspect pour essayer. Cataclysme, on a un pas un seul. Sinon, moi, Orak, comment on finit ça là? Je sais bien, oui. Quand c'est juste un gain de stats tertiaire, c'est quoi? Ah bah, plus de. Il craque. Ouais, c'est pour les dents, mec. Ouais. Ah, tu les as pas, toi? Non, je les ai pas, non. Je les ai en 700, quoi. Ouais, ouais. Okay, bon, ça. Pas grave, hein. Hier, les épaules, aujourd'hui, les gants. Tu peux encore me voler des pièces encore bientôt? Comment? Enfin, je les prends en trip, c'est comme ça, je les lave pas. Et... Moi, je reboot un 4 pièces, quoi. On a qu'un war, on a Asbu. Ouais. Oh putain, je sais. Là, comme ça, je dirais sub. Il est sympa le jeu, il veut pas que je breloque. Ah, comme un gars comme Robar, je suppose. T'es déçu, Meili? J'aurais jamais dû faire ça. Chez Zeus. Yeah! On a les mêmes brassards. La classe. Ah, voilà. Bon, j'ai respect. Manorot. Ouais, déjà. Non, mais j'ai pas vu, mais il est que 10 ans. Faut que je fasse mes barres. Ah oui. Sans les gens déçus d'être déjà sur Manorot. Tu sais. En gros, ça ferait un peu. Si mercredi on traînait pas du cul sur certains boss, on pourrait être là plus tôt. Et les gars, dépêchez-vous, il y a un trinket qui tombe, il serait nickel sur ma panoplie. Mais mec, il faut toute l'instance, quoi. Il fait pleurer tous les mages, ce bijou, il fait pleurer. Le mec, ça fait 4 mois qu'il s'optie et il l'a toujours pas fini, quoi. Bah, ça compte pas, tu les entends, après ils se plaignent. Ouais, ça va. Et quand tu le rends en 2-game, il te socket dans ta cache. D'ailleurs, Eldry, au bas, il a pris de l'avance, hein. Bon, ça, il a pris de l'avance. Bah maintenant, il s'est from scratch, toi, t'es toujours chez nous. Moi j'ai pas envie d'aller ailleurs. T'es toujours là. Je suis fidèle, moi. On en reparlera pendant leur progrès, ce qui sera légal. Comment? On en reparlera quand ils seront en progrès à faire 17 heures par jour et que lui il aura école. Bah et... Bon, ce qui sèchera les cons. Je pense qu'il a peut-être fait ça en connaissance de cause aussi. Salut, je suis pas là pendant 3 semaines, il y a l'extend. Il a non, prévu une année sabbatique. Je pense pas qu'il ait... Je pense qu'il a quand même prévu le truc, il est pas con. J'espère pour lui, parce que techniquement, quand t'as pas dans une île comme ça, t'es serein, quoi. Tu sais qu'il y a une période, ta vie, elle existe plus rien. Il y a plus que toi et tes petites conserves. Même en sortie de l'extension. Même pendant l'extension, mec. J'ai regardé son raid d'hier, il était très très bien. Tout ça parce qu'il faisait des poules à 600k non, mais... et des vagues à 3 millions. Bon, ça 3 millions 7, mais il a pas fait... Enfin, il était bien sur plusieurs boss et tout, donc... Il était tellement bien que ça faisait rager la pie, donc. Sérieux? Ouais. Il a craché sur la classe des mages à cause de Oba. Fait putain, mes mages c'est de la merde, regardez-moi ça et tout. Et en fait, après Oba, c'est. Kara, elle a pris la place d'Oba, c'est ça? Ah, peut-être qu'elle va pas chez Promstrage l'année prochaine, on sait pas. From Scrooge. Comment? Ouais, limite, ce sera From Scrooge, ouais. Je reviens faire une pause. Pas une pause?
Non, peut-être que Kiara ira remplacer Oba chez From Scratch quand Oba sera chez la méthode, tu vois. Ma méthode. Bon, je pense pas. Pourquoi j'y crois? Pourquoi personne n'y croit? Déjà, BT, personne n'y croit vraiment, tu vois. Réaliste. Non, attends, est-ce que t'as vu les logs, Harry? Mais je regarde pas les logs. Ouais, elle est en train de se battre avec un tank, hein. Elle se bat avec Pee-wee en tank, alors bon. Alors elle fait ce qu'elle veut, ça lui fait plaisir et c'est que comme ça qu'elle peut se sentir supérieure, félicitations à elle, mais bon, quand tu vois les logs et qu'elle fait autant de... quand elle fait autant de DPS que des tanks, bon, au final, elle devrait mieux rester petite quoi. Mais après tant mieux pour elle si elle est plus là-bas, vraiment. Tu peux essayer de me télépétoir d'où je suis là. Oh. Vas-y, je te vois chaud, essaye. Oh! Je regarde gagner. Bah, là, j'ai dormi parce que j'ai oublié de poser mon TP comme un crétin. On interdit en gros. Ah non! T'as déjà un SP toi! Ouais. Putain. Bah, après, j'ai fait mes raccourcis dans l'instance. Je jure que j'ai oublié des trucs. Bah, je sais, je me doute. C'est Window machin que je joue. Très sûr, c'est avec le TP là, c'est ça. Non. Oh, Martin, note de Manor, c'est trop beau, je les délète. Le soldat, je sais plus quoi, ça, c'est le gameplay qui ressemble le plus à Counter-Strike ou des FPS normaux, je crois. Non. La dernière fois que j'ai joué à un FPS, c'était Halo 1. Allo bêta même. J'ai créé le jeu en fait, il est ici. Après, ce qui risque de dégoûter un peu les gens, c'est que le fait que tu vas faire des compos outils. Ouais. Tu peux me télépétoir, Zilat? Tu peux me TP, ça couille, s'il te plaît? Ouais, attends. Ah, tu t'adaptes, soit tu dev, soit d'accord. Ça va marcher. Et ils ont relancé des invitations là ou attendre la blisque? Parce que les gens se plaignent qu'il y a personne. Tu prends servitude ou sacrifice? Supermassive, c'est bon. En synergie. Synergie, ouais. Ouais, c'est carrément. Sûr. En plus, t'as masse démons. Bah, tu verras, t'as une armée, quoi. C'est un truc de fou. Puis, il y a le 2P et le 4P qu'il faut lire aussi. C'est important, mais je n'ai même pas compris comment utiliser à fond. Super. Merci, Saku. On a confiance, du coup. Bah, non, mais c'est bon, il suffit de spam feu de lame. Pas c'est ça. Dire. Un Gildan à 70% d'avocat. Ah ouais. Double teint. Ok. Ça c'est le. Ça c'est le bijou. Et dis-toi, avant, tu pouvais... quand tu l'avais glyphé, tu pouvais les faire pop hors combat. Lol. Non, t'as fait. Oh, si, à côté. Tu mets la Guild Samsung ou pas tu... Ouais, je pense. Ça peut être pas mal, je pense. Ouais. Ah, c'est... Ah,
Regarde, tu peux aller sur le pilier là-bas. Ouais. Si tu veux venir, Zeus, je t'emmène. Est-ce que vous pouvez me dire que c'est beau ce que je viens de faire aussi quand même ? J'aimerais bien. Regarde, c'est beau. On va le frapper. J'ai FK 2 secondes. Non, pas de Westra, juste. Rien de RT9, il est beau. Donc le carré, en fait, on va essayer autre chose. Parce que les Markov Gudan, ça déstackait pas assez vite la dernière fois. Là, on a pas mal de classes qui peuvent sock, c'est cool. On a récupéré un Hunt, on a récupéré un Palret. On va pouvoir faire ça. Donc, il y a une Rota sock en bas. Vous avez tous le RT9. Oui, non. Au moins Eldritch, Chorizo, Isidora, Manuel. Je vais le réactiver parce que pourquoi il a disparu là. Ouais, t'inquiète, avec un espace là. Non. Mais ça sera en dernière phase, c'est pas. Alors. Eldritch, Chorizo, Izzy. Okay, en gros, voilà, donc il y a un ordre. Si parmi ces gens-là, il y en a un, voire deux qui ont la. Le cours de Gul'dan, parce que jusqu'à deux casters pour avoir le cours de Gul'dan. Dans le pire des cas, on sera 3, il y aura Manuel qui l'aura aussi. Au pire, il y a toujours 3 autres personnes pour des stacks et vous finirez le reste des marques comme on faisait la semaine dernière en allant vous paquer à côté d'eux. Ok. C'est pas compliqué. Donc, Eldritch sera toujours premier. Leon, vous y allez, vous faites vos 2 DTR, ensuite vous sortez. Pareil pour Manuert, tu vas, tu sous bulle, tu sors une fois que la bulle est partie et voilà. Est-ce que vous savez après quoi faire? Personne n'a de questions sur ça, Léon, Eldri, Manuert? Non. Il y a un carré, vous mettez au milieu du carré et vous prenez tous les stacks. Normalement il est assez espacé. Les gens qui auront le debuff de cours du Dan, faites attention, le carré c'est approximatif, c'est pas forcément très précis. En fait le but c'est que vous ne stackiez pas avec les autres personnes du carré mais que vous stackiez avec celui du milieu. En gros, vous devez être plus loin de vos deux personnes à l'autre coin des carrés et assez proche de la personne qui est au centre. C'est ce que je veux dire. Enfin, vous verrez bien, il faut juste que votre rayon de destack parte sur le mec qui est au milieu, pas sur un autre. Ça, c'est pour les cours Gul'dan, c'est ce qui change. Ensuite, la P1, c'est la même chose. On fait des allers-retours, comme d'habitude, ça commence à être bien fait. N'oubliez pas le delay du kick sur le deuxième. Doomlord. Le soccer c'est pas le tout le bleu, non, mais t'inquiète. Azul, je pense que tu as tanké. Je sais pas si c'est mieux, je pense. Donc on va avoir Robar en sub, un démo en démono parce qu'on a qu'un war et l'autre en destru. Voilà, c'est ça que c'est au milieu du cas. Il y a d'autres. Normalement, c'est tout. Donc, au niveau du DPS, on passe un peu lentement la P1, ce que j'ai pas renoté sur les logs. Avec le stuff qu'on a, c'est pas normal. Ce qu'il faut pour gagner du DPS, qu'on va faire, et ce qui normalement est la strat, hein, c'est on va pas focus comme des connards les infernaux. Quand ils seront en dessous de 35%, Léon va exec dessus, ok. Quand ils sont au-dessus de 80 visés, enfin, etc. Mais ne soyez pas tous en focus dessus. Actuellement, vous laissez les Hunt et les Drudeki Météor et c'est tout. Genre, pas de focus dessus. Vous laissez vraiment les deux télétifs passifs s'en occuper. Il y aura juste, on a 3 Hunt, ça fait 3 pièges explosifs qui bump, ça fait 3 druides, 3 typhons. Enfin, impossible que les infernos nous touchent, quoi. On a 6 bumps. Dès qu'il y a un inferno qui s'approche, il se prend un bump, on en parle plus vite. Il n'y a pas de raison qu'il touche. Et le Doomlord, donc le Doomlord pour le DPS du Doomlord c'est pareil, le but c'est pas de perdre du DPS dessus, c'est d'en gagner, on gratte en clivant dessus et en finissant quand il a fait sa Mark of Doom. Simple, on clive dessus tranquillement, à partir du moment où il a cassé sa Mark of Doom, c'est qu'on a une minute pour le tuer avant qu'il recaste les deuxièmes, vous focussez, vous le tuez, on en parle plus. C'est juste ça. Voilà, faut bien peut-être passer en P2 avec un timer clean sinon c'est niqué. Les CDI, vous les avez tous normalement sur le hard up pour la P2, faites bien le destacking et on va traiter comme ça. Ouais. Oui. Concernant les bumps,
Oui. Alors j'ai pas fait les trials avec vous la dernière fois, mais on risque d'avoir un truc, c'est-à-dire que l'Infernal est pété sur nous là. Ouais. Là on va vouloir le bump, puis généralement à ce moment-là on a le pop des Zim et on risque de bump des Zim. Groupe de masse, les cas qui vont prendre un peu de dégâts, on les heal et les Infernal vont se faire ouais. Donc les cas qui sont intelligents, vous voyez qu'il n'y a aucun Infernal qui est mort, il y a 3 Infernaux qui sont grippés dans le grip de masse. Vous faites qu'un CD perso pour pas vous faire OS non plus, mais sinon il n'y a pas de raison que vous mourrez. Ok. Donc voilà. Alors oui, petite précision, les 4 personnes qui ont la couronne du Dan en P2, donc qui vont se mettre sur le carré, plus le soccer. Comme vous l'avez vu, il peut arriver que vous ayez la Shadow Force. La Shadow Force, c'est le rayon violet qui vous repousse. Vous ne pourrez pas, évidemment, vu comme vous êtes placé, vous ne pourrez pas survivre à la Shadow Force. Le seul moyen pour vous de survivre, c'est pour ça qu'on les place de ce côté maintenant, vous allez viser le pilier rouge. Le pilier rouge n'est pas encore cassé à ce moment-là du fight. Donc vous allez viser le pilier rouge, vous faire pousser dedans, et vous arrivez là, vous n'avez plus bougé. C'est vraiment l'objectif, enfin, à moins de jouer mage et d'avoir deux blinks, des choses comme ça, vous prenez pas la tête, vous visez le pilier rouge et vous tombez pas. C'est aussi simple que ça. Tous les œufs, avoir le Shadow Force. Et quoi ? C'est que les coups de Dudan, est-ce qu'il va avoir ce que je viens de dire. Oui, non, mais le sauteur, oui, mais même oui, les coups de Dudan aussi, oui. Ok. Tous ceux qui sont sur la gauche, là, peuvent l'avoir. Okay, donc, faites attention. Après, normalement, avec la strat qu'on va faire là, avec le carré, ça va être des stacks en 30 secondes. Donc, normalement, il y aura une Shadow Force où ils ont risque de l'avoir. Enfin, la deuxième, ça sera déjà fait. Bon, on va try. Ouais. Tu peux pas décaler un petit peu le carré là, parce que le vert là, c'est short. Hein. Comment ça, c'est comme ça, il va être comme ça, il n'y a pas beaucoup de marche pour tourner. Quoi. Ça va, ça va. Oui. Si il compte dès le début, normalement, il s'en sort. Hein. Ouais, au début, en fait, au début, il n'a pas de stack. Et il se plafait. Pardon ? Le heal, qui c'est qui le destaque et c'est le raid, mais un peu en avant du raid pour pas stacker tout le monde. C'est le raid et le tank. Le love tank est. Enfin, il s'avance par rapport au raid, mais souvent un peu sous le boss avancé par rapport au raid pour que ça soit love tank qui puisse le repérer facilement. Il aura la lune sur la tête. Love tank et le troisième tank viennent le destaque et puis le raid finira si les tanks sont en galère ou comme ça. Prenez pas de risque, montez pas au-dessus du stack, même les tanks. C'est bête de se faire OS pour ça, il y a d'autres gens que vous qui posent des stacks. Voilà. Ouais, du coup pour les Mark of Doom, il y a plus de signes. Pour les Mark of Doom, j'ai pas besoin de signes. On en met plus longtemps, enfin déjà la dernière soirée on en mettait plus, ça sert à rien, vous vous dépaquez juste les uns des autres. Attention à pas être dans la range des uns des autres, et puis voilà. Ok. Si vous voyez qu'il y a un mec qui est devant vous, essayez pas de le dépasser, ça sert à rien, laissez-le partir plus loin que vous, vous arrêtez et vous laissez le mec derrière vous s'arrêter. C'est aussi simple que ça. Correct, c'est rond et bleu pour les déplacements en B1, c'est ça? C'est ça. Le rond est un peu plus proche, mais. Canox? Allez, je vais essayer de faire mieux le carré. Fais le carré qui regarde vers le pylône. Ouais, ce que je vais faire. Canox? Attends, pas de foule. Ah les gars, je vous dis, je suis en train de refaire le carré, vous lancez. Ouais, le celui qui soque au milieu du carré là, il annonce quand il se barre que l'autre puisse y aller. Non mais ouais, ça va pas, parce que... Non mais mec, oui, mais c'est pas... Oui, non mais je vais le mettre, je vais le mettre un peu et tout. Après. Ça sera pas plus simple pour lui de tourner, hein. Le boss il est toujours au même endroit donc au final il prend exactement la même orientation du raid, ça change absolument rien. Mais faut que tu fasses pivoter tout autour du rond. Oui, mais ce que j'ai fait, regardez, le jaune a pivoté. Mais si le jaune, je peux le mettre je peux le mettre là, enfin, aligné avec le rond limite par rapport au boss, c'est la même chose. Le rayon vient du boss donc Ouais, c'est nul. Non mais le jaune tu le mets là où il y a Harry. Les gars, il y a... Remettre ta pierre dans cette direction, avec cache de force, vous arrivez à taper dans le rouge quand même. Non mais le vert tu mets là. Voilà comme ça. Sauf que ça sera un peu proche. Neyel. Non pardon pas Neyel. Zou. Tu peux pas sortir le raid, tu restes avec le raid et les temps pour faire des sacs. Pourquoi et moi je... Non, il est pas assez.
Hold me so I'm not afraid of little bottom hoping it might kickstart me and my broken heart. Yeah. Shotgun aims at my heart, you got one. Tear me apart and then some. How do we call this love? Whoa, oh, oh, I try to run away, but your eyes tell me to stay. Oh, why do we call this love? Whoa, oh, oh, it seems like we've been losing control. Somebody tell me I'm not alone when I say all I need is a little love in my life. All I need is a little love in the dark. Bon. Me and my broken heart. I need a little loving tonight. Hold me so I'm not falling apart. A little but I'm hoping it might kickstart me and my broken heart. Maybe some part of you just hates me. You pick me up and blame me. How do we call this love? Whoa, oh, oh, one time. Tell me you need me tonight. To make it easy, you lie and say it's all for love. Whoa, oh, oh. Mec, un carré, c'est un losange. Mais non, mais faites en sorte que. Oh, mais c'est pour ça que j'ai des sous jeunes au niveau du CAC, parce que les CAC ont le jeune. Toi, bah, c'est juste que vous avez des CAC sur la gauche, donc car le premier caractère. Ouais, pas ça. En fait, c'est en fait. Je suis assez d'accord avec toi. Même s'ils préfèrent qu'on tombe dans le vide avec les Shadow Forms, mais bon, on va se taper le boss un petit peu. Et comment? À moins que vous. Bah, moi je suis ici, là, je suis là. Moi je suis décalé, ouais, tu vois. Moi, les ici, je bloque. Attends, écoute, non, non, bougez pas, écoutez pas. Enfin, sans parler, Dreams va me dire où mettre les signes. Donc je mets quoi, Dreams? Sachant que le orange et le jaune, voilà. C'est pour les cacs. Un cac ici, ok. Je déplace pour toi. L'autre à côté, les pions, ok, ouais. Et donc. Pourquoi les courroux, tu le raid en fait? Voilà, non, le raid est devant, c'est pas tout. Voilà, et puis. Parce que là, déjà, ils sont trop proches. Bah, tu décales encore sur la gauche. L'hitbox du bois, c'est énorme. Mais le rond là. Et sur toutes les minutes que j'ai pu voir, ils sont pas. Non, mais ils se prennent pas la tête. Est-ce que t'étais avec eux quand ils ont fait la strat? Bah, j'ai vu la vidéo, je peux te dire. Ouais, j'ai vu la vidéo après le poule. Le pool. Le jour où ils ont tué le boss, donc ils se sont pas pris la tête. D'accord. Non, mais t'inquiète, mais franchement, Paragon, ils ont fait 800 poules sur Archimonde, ils se sont pas pris la tête, ils ont OS. 32 en plus, ils l'ont fait. Ouais, putain, 800ème poule, il doit y avoir quand même des gens en détresse psychologique. C'est ça. Ah, tu verras quand on sera au 800ème. Ah, bah, c'est bien, comme ça. 800 try à notre vitesse, faut 2 ans, quoi. Allez, dépêchez-vous là. Allez, c'est parti. Ah, du coup, on est sur rond, hein, sur le déplacement, ça va être un truc chelou. Non, non, mettez-vous entre le toit et le verre. Oh, mettre un carré sur la tête ou paquet sur moi. Quoi, je le sens, je mets sur l'étoile. Bah, moi, je mets sur l'étoile. Hein. Ouais, vous avez pas la gueule avec. Fire tracks. Ok, spread. Ouais, mettez-vous sur l'étoile, c'est bien. Mais c'est moi le premier cut. Ah. Là, fallait pas le faire. Super, pardon. Super, pas le prochain, surtout pas le prochain, vous ne cutez pas le prochain. Moi ? Non, je l'ai fait. Okay. Pas le prochain. Ok, tu l'as pas fait. Tu es le. T'as dit quoi sur le prochain Dreams ? T'étais FIA ? Non, j'ai pas eu bon temps. Ok, super. Je suis désolé, j'avais pas prévu d'un. Je suis geek avec. En fait, vous avez tous mono boss. Crève, espèce de sombre merde! Vous voulez pas mourir là, sauter, ça va plus? Pédé de moine qui veut pas crever. Non mais. Je vous dans le vide là.
Non mais non. Vous faites pas chier qu'on vous regarde tous là pendant 5 minutes là. Faites pas n'importe sur les kicks s'il vous plaît, faites que ceux qu'on vous demande de faire. Alors... De toute façon il y a une rota non, le temps premier. Mais il est en deux. On est que, enfin il y a le casque et après on fait peut-être pas et puis... Ah. Pirate t'es le pire. Quoi qu'est-ce que j'ai pas? Je peux que t'as voulu donc. Quoi? T'as pop ta moon, top moon, ok. Enfin, j'ai vu un DK, pop sa moon, BDK. On est prêt, on fait attention à la tempête. Neymar, on ne quitte pas le prochain. Tu feras le grip. Oh, le ring, c'est mort. Le ring qui pète sur c'est le. Un truc, hein, ouais, c'est on peut prendre des dégâts nous on peut pas. Ah zut, tu peux nous péter dessus, ok. Ouais, mais on a du mal avec moi. Bah, rip, hein, moi je suis. Au revoir. Arrive, Zilot. Pourquoi vous sautez tous là? Pourquoi vous sautez? Mais parce que les diablotins ils meurent, ça sert à rien. Ah, ils meurent pas. Le ring il a buté là. Eh vous sautez pas. Eh vous sautez pas quand ça vous chante. Non mais le ring a buté là, du coup il a pas casse. J'ai compris, et... merci. Bah si on avait les marques. Ah oui. Ouais on avait les marques. Et tant pas... que Orek dit pas go wipe, vous sautez pas. Ah oui c'est évidemment un go wipe. Non mais. On va pas discuter sur le fait qu'on saute parce qu'il y a 5 morts et qu'il y a des mecs qui sont condamnés à mort et on va plutôt parler du fait que là tu te fais one. Non, on va pas parler du tout, y'a rien à dire. Hey, non mais MDR. On va sauter en premier, y'a pas de mort. Bah, comme j'ai fait tout le temps, je le mets devant les casters. Mais bon, il sera pas paqué avec les zims quoi. Les zims seront décalés si vous êtes fait sûr. Mais oui, du coup, attends. Kiwi. C'est moi, bonsoir. Est-ce que tu peux faire, faut que tu fasses une macro aussi pour grip sur toi, au cas où. J'ai non, mais oui, j'ai changé. J'ai deux minutes. Au cas où. Non mais c'est vrai que c'était débile, j'aurais dû pas faire. Bah dans les... dans le plan du temps ça va servir mais il y a des moments où ça va pas servir quoi. D'ailleurs Canox quand t'as mis le ring revient vite puisque les débutants ils peuvent pop sur toi et du coup le truc d'avant est... Non mais je te le dis juste, hein, essaye de revenir vite, je sais pas si tu peux en fait, niveau timing. Non mais je sais bien hein. Pour ça je te demande s'il y a moyen que tu reviennes. Sinon je ferais un grip mono, c'est pas gênant. Bien hein. Sorti.
On se prenne, on fait attention à la tempête. Ouais, tu feras le gré par Prax. Il est pas là. Ah, par Prax, ça va qui. Un raid. Attention, on prend le bump. Paquet, il va y avoir les filles, on soque tous. Évidemment, ça court. C'est pas grave. T'inquiète, t'inquiète. Bon, on se replace, on est spread. On va bump les infernos, s'il vous plaît. Très bien. Allez, défoncez-les. Ah, bah il est pas mort assez vite. Oh, Loïs, l'infernal. C'est pas ça. Ah, mais parce qu'il était pas dans le grip. Non, les débutants étaient dedans. Ouais, il y a un infernal qui a pop sur les deux, moi, il semble. Mais enfin, normalement, il est grippé. Hein? Normalement, les infernaux sont au moins morts avant les bougent, en fait. Pendant les imps, avant les doom. Ah, c'est surtout qu'il y avait les deux premiers infernaux qui étaient derrière et qui ont quasiment pas été focus. Avant qu'ils soient mieux mouillés. Non, on les focus pas, mais enfin, à partir du moment où ils sont grip de masse, ils vont se faire OS. C'est juste que là, ils ont pas été grip de masse. Parce qu'il y en a qui étaient trop loin. Ouais. Ouais, mais ils se font OS à partir du moment où ils sont au moins à 50% PV, pas qu'ils soient à 80%. Ouais, mec, je peux te dire qu'avec la OK dedans, t'inquiète qu'ils seront OS. Sachant qu'il y a deux sur ce pop là, il y a deux secondes parce que le Doom pop avant. Étoile les gens le non rechercheur, voilà, ouais. Il n'y a pas grand monde dessus, je pense. Et oh. Il y a la bouffe, hein. Au pied. Spread, spell. Pas le kick, pas le grip. On kick pas, on kick pas. Prêt, s'il vous plaît. Y'a pas eu le grip ? Ils étaient pas été prêts. Y'a pas eu le kick non plus. Plus grand chose non, en fait. On reste sur lui. C'est bon. Fais gaffe, vous accepte le après. Ok, il va finir. Tu peux rester. Sur l'inferno, pas de bon. On est spread. Bump, facilement. Ah non. Non. Ah, tu fais gaffe, hein. Tu les as pas soumis hors de port qui du coup. Pop d'eau, on va vite se passer.
Deux milieux. Un facile. Bon, ça fait finir. Capez pas tout le monde là, hein, parce qu'il y en a qui ont fait trop de dégâts que les autres. Allez, on est spread. J'imagine déjà que tu suces ma vie au rythme des coups de fouet de mes couilles sur ta gueule. Tu vas en faire de mieux. Ouais, je peux. Bien. Péter les ongles. Alors là. Attention les filles. C'est des persos s'il vous plaît, c'est des persos maintenant. Pas ce cast là qu'on a censé 4. Ouais, oh, non, pardon, c'est celui d'avant. Ah, c'était celui d'avant, mais ouais. Du coup, il a pas été fait. Ah, j'ai pas pu, j'étais fier. Par contre, il faut le kick. Aussi. Ouais, tu es le Doomlord là. Oh, non, allez, mais c'est pas vraiment du fiant. Bah si. Que le Doomlord, vous avez 5 secondes. Et le 4 a pas été fait. Prendre les gars des infernos quand ils TP tous sur nous, il faut bouger. Il nous a tué tout à l'heure, là j'en ai rendu compte, c'est la chose aussi. C'est sur ce B là, Dreams, hein, puisque pendant donc, le cast, ouais, ouais. Pendant le cast, j'avais le Fear sur moi. Et il a mis les marques funestes à ce moment là. Manorat il a mis son fire et du coup bah oui on le délaie au lieu de faire péter direct après la marque of doom on attend mais mec Manorat il connaît notre rota CD à chaque fois que je dois mettre la M pour le fire plus Shadow Ball volé j'ai un fire il le sait tu suggères que Manorat bah t'as bien vu Orek je vais faire la première grip j'ai pris toutes les premières marques mais je sais mais je dis il connaît notre rota il sait que voilà dada putain prendre faites gaffe à vos bumps hein. Regardez ouais, le top des zones, c'est risqué. Hein. Bah, c'est la strat. Oui, mais soit ils font avant ou soit ils font pas pendant les zones. Ouais, une fois que les diablotins sont finis. Ouais. Ouais. Okay. Le premier, c'est normal qu'il y ait un petit délai de groupe de masse. Évitez de stun. Au pire, vous m'insultez si vous avez pas peur. Tu t'insulteras. Là, le premier groupe de masse, j'ai pas pu faire si j'étais stun. Normalement quand ouais, ils sont stun ils viennent quand même, c'est quand ouais. Ils sont bump ou quand ils sont... Quand ils sont bump en même temps... Pendant le grip ou s'ils sont root avant le grip. Non tu peux pas grip en... Les mecs est... stun se font ramener hein. Bah alors... Stun... Mais ou... sauf que tu peux pas stun en inferno. Ah non mais même mais c'est au niveau du grip. Moi j'étais en CD sur le premier. Oui non mais il a été fait le grip mais il y a dû avoir quelqu'un qui a fait un KB au moment où t'as fait le grip. Du coup ça a interrompu le... J'ai même pas vu bouger moi. Ouais c'est vrai qu'ils ont même pas bougé. Alors ils étaient root je sais pas. Faites pas des trucs comme ça quoi. Ah non, il ouais. Y a eu un bum juste avant. On a grippé une partie des. Le bouton. Ah non, mais sur le tout premier pop. Ah, le tout premier. Je sais pas, j'étais pas là. Premier, moi, il s'est rendu. Je regarderai les logs si tu veux, mais. Dream, c'est bon? Ouais. Et oh. Ah bien con. Microphone muted. On est spread, ouais, un peu tôt le dispel. Rez. Ah, le grip, Rad. Rez, hein. Encore un, hein. Sur le premier, Rad, si t'es à la bourre, reprends pas le boss comme ça, ne tourne pas.
Et c'est le Doom Lord aussi, on est pas qui en un seul point sur l'étoile. Et on prend le bum. Dans le temps, ce bum. Ok, pour les fiers, on prend tous le fier, sauf le cac. Ça reste sur Eldry. Ah, y'a pas. Ça reste. Cool. On est spread. Ouais, on kick celui-là, pardon, on kick le prochain. Et pas celui d'après, par contre. On ne kick pas celui d'après. L'étoile, faut pas venir. What? C'est moi qui l'ai eu, du coup, quand j'avais le truc à déposer. D'accord, ok. On va pas perturber. Bon, bah, go. Je crois que sur celui-là, on peut pas kick le premier. On peut pas laisser passer le premier comme bah, non. Non, parce qu'il y a Felseeker plus. Ah, surtout qu'il y a le fear en fait, pile au moment. Au moment, au moment où il finit son casse, il y a le fear qui pète. Donc souvent c'est mortel. Je sais pas si Kik avait le Doom étoile, mais va à loin, comme tous les autres. Par contre, les Mark of Doom, ça vouloir gratter du DPS, hein, d'aller loin, EDF, et puis... Sur mes lignes. On arrête de mourir du premier truc du Diablo. Ok, wipe. Ah, mon micro s'est activé après. Ouais, toi, c'est le début là. Je pense, hein. Ok. Les cacs, essayez de pas vous mettre sous le machin. Parce que moi, je me mets dessous.
pour pouvoir les grip en plein milieu. Genre sous le machin, enfin sous le... Bien funeste. Du coup, s'il y a d'autres avec moi, bah je meurs. Ouais, le soleil est trop beau. La première ça sert à rien, hein. C'est plus rentable de... Non Dream, c'est juste qu'ils ils n'ont pas aidé Rip parce que... Mais Ellie il s'est embrouillé dans sa vie. De quoi? Non mais là sur ce try, je crois Eldry que c'est un Nova au final qui route le mob. Et à confirmer, mais j'ai cru voir des relations autour des Diablotins. Eldry, le mec opti depuis... Non mais parce que le premier, étant donné que c'est moi qui le, enfin, qui le fait au plus ou moins, moi j'ai le taunt en même temps, donc il y a un léger décalage, il casse pas, mais tu sais, il y a un léger décalage, ouais, c'est pas instant. Et je crois que c'est la Nova lorsqu'il burst, soit celle de son pet, soit celle de ses panneaux. Ok. Oui, non mais c'est possible que ce soit ma Nova, mais je vois pas ce que ça change en fait. Parce qu'il y a des routes et ils sont pas grip. Ah si, tu peux grip quand ils ont le truc. Non. Tu peux pas grip quelque chose qui route. Tu peux grip un truc qui est sain et pas qui route. C'est... bon, oui. Ok. Putain, attendez, putain. Putain, j'ai pas changé ma vie, je crois que vous. C'est bon. Non mais sérieusement, je peux passer le feu? Non. Pourquoi tu demandes ça? Bah, je sais pas. C'est... parce que c'est plus sympa. Je sais pas si le mec ça fait 4 ans qu'il s'optie juste pour Manorot en SPFE. Non, en SPJ, je n'ai pas optimisé à disparaître. C'est le même stuff. Concentrez-vous. Et spread, s'il vous plaît, on perd personne sur le premier pot de Diablotin, ça serait cool. GG. On reste sur Manware. Aller plus loin, ils vont marquer le double, sérieux, voilà. Et pas qu'il y a un seul point, on prend le bump. Désolé, je t'importe en soi l'annonce. Bon, du coup, t'as le prochain, ouais. Il rate. Ouais, paquet, on prend le fier tous ensemble. Attention à pas être dans les infernos. On est spread, mais dans la zone de heal, on va se rapporter du grip de masse, s'il vous plaît. Vas-y, tu peux dispel. Ok, on a un seul point. On kick celui-là. Bon, tu kick. Je kick. Faut t'enlever. Je crois que c'est moi qui ai pété ça, ma destock. Ah bah ouais, là t'as bien pété, ouais. Très du moins. Mais des fois là, te destack si tu restack pas juste avant de faire son casse. Tu nous as mis un bon 300 qui avec. Ouais. Et Dungor se plaignait de ça aussi. Hein. Et l'autre était un petit peu proche de nous aussi. Pas l'air reculé, mais. Ouais, c'est moi ou Lad a tout le temps été kick et du coup ils ont pas pu faire sauter leur debuff. Non, il a été kick le premier après le Doom et après il est passé. Non, le kick était bien, c'est juste qu'il a pas restack et il est mort. C'est d'ailleurs pour ça que je suis mort parce que du coup il a pas pu me toi. Non, je parle des gens qui allaient quand t'es déposé les trois gros oui, soldats. Ça, ouais. Le premier était kick mais pas le deuxième, c'est ce qu'on fait depuis. Le kick était
Oh, on fiche. Bah en fait quand j'ai pris j'ai traversé du coup du côté bleu au jaune, je suis arrivé donc vers là et... Non mais il y avait toujours quelqu'un derrière qui l'avait. Oui mais en fait. C'est normal. Ok. Ouais mais là c'est parce qu'il y avait eu un vrai fail de kick. Vraiment s'il est bien fait instant le premier coup et le deuxième il va se passer. Bah non justement c'est pour que ce soit pas dangereux parce que justement on prend pas le buff quand même. Il craint rien, c'est le timer est fixe, il mord jamais. Hein. C'est juste que ça les fait chier d'attendre, surtout si c'est un cac parce qu'il faut pas DPS. Hashtag Dreams. On peut s'appliquer s'il vous plaît, ça me fout. Go. Tu fais le kick, Yaral, tu fais le kick. Le grid. Là, vous me saoulez à mourir de ça, c'est trop relou là. Reste sur Eldry. Pas qu'il y en a un seul point pour le fail seeker sur l'étoile. Prends le bump, il est devant, restez sur l'étoile, pas 15 km devant. Ok sur le bleu. Ok on prend tous les fires. Pas, utilisez pas votre link à tuer sur ça, ça sert à rien à part manquer de tuer des gens. Et dans ton mètre ça va être inferno, attention manœuvre pareil. Red dans la zone de heal. C'est les infernos, restez pas sur leur TP. Rapidement, on fait le prochain kick. Ouais. Non, on le fait pas. Si, oui, normalement. Si, on le fait. Ouais, ben. Pas qu'on a. Non, celui-là, fallait pas le cut. Faut le faire. Est-ce que vous comprenez pas dans cut, pas cut, enfin. Yeah. C'est toi qui as dit le cut mec après hein. Oui oui bah oui wipe évidemment il y a 15 mois. Ah mais sinon faites pas les cuts, il y a que Millie et moi qui les faisons. Faites-en pas. C'est Azu. Et si c'est possible d'avoir une seule annonce pour les cuts, au lieu de dire on cut pas, on cut peut-être, on va peut-être pas cut, on cut. Il y a 3 qui me disent ah bah si on cut non que... Non on cut pas les gars. Il y a une seule rigueur s'ils peuvent le faire à deux, autant les gérer, c'est à deux quoi. Millie et moi on le fait. Okay, il y a Azu qui fait le premier et après c'est Dreams et moi. Okay. Oui, Azu fait le premier. Ouais, Azu fait le premier. Ça marche. Il y a plein de monde qui cut pour rien. Oh, mais Belly me demande de cut, je fais quoi? Non, c'est des grips, moi je me plante, je dis grip. Pour le troisième, on le délaye ou pas? Le troisième. Le troisième, Fell Lord. Je sais plus si on cut en. Il y a que celui-là qu'on délaye. Il y a que le deuxième qu'on délaye. Et Melly, en fait, tu. Bon. Uniquement si je peux pas le faire, en fait. Ouais, ouais, non, mais oui, ok. Allez, c'est parti. T'auras ton buff, ok.
Et spread. Bon, et pas du premier pop de Diablotin, sérieusement. La tempête. Tu feras le grip. Ok, pas qu'il y a un seul point sur l'étoile, on prend le face-seeker, pas devant l'étoile, sur l'étoile. On prend le bump. Paquet, paquet, paquet. Un paquet, Alphir. Sock plus. Ok, spread dans la zone de heal. Bon, Infernal, restez pas dans son TP. Ok. Redou m'a vite passé. Le Seeker prenait la gate. Breezy, mais c'est pas grave, prenait la gate quand même. Miniature. On reste sur Ankh sur Xu, Xu tank et tu restes sur LF. Faut le finir. Le... Faut le finir. T'as pas l'Ankh? Pas de zoom. Red. Pat s'il vous plaît. Mais lui, okay. Je fais le prochain impact. Oui, oui, oui. Sur Zinfandor, restez pas dans le TP. Nickel le bug. Attention les cacs. Ah, ils vont se faire enlever, ne inquiétez pas. Et pas qu'il y ait un seul point sur l'étoile, tout le monde. Dispel. Ouais, mais je sais pas, vous voulez des PS. Des cacs, tout ça. Porté en P2, je sais pas. Paquet. Il va y avoir Fear plus Mark of Doom. Donc vous allez bien loin du raid, les Mark of Doom, s'il vous plaît. On soigne vite les Fear. On va se passer le cast. Ouais. Ok, nuke le boss. Pincelade. Vite, le prochain. Laissez tous les ads là. Poule sur les ads. Bon. Tout le monde sous le boss. Ça. Devant le boss, pardon, devant lui. Les imp, oui. Ok, les courroux, vous allez vous placer. Elri, tu peux y aller. Ok, Shurizo, tu vas. Shurizo, tu vas. Tu m'annonces Shurizo quand c'est... Annonce Shurizo quand c'est bon, il ira ensuite. La pièce, je suis à 10 sur le... Harry, bouge, le Harry, bouge. T'es bon, pas être là, Harry. Placer. Ah putain, je crois. Tu grip ? Un reste sur Rek. Oui. Mais y'a pas. Non, mais là je vois rien depuis que je suis. Oui, encore des gens à soc. Hein. Donc y'a pas de lune. Hein. Okay. Tous écartés de devant. Le shooter de 6. Non, il est... cassez-vous. Ou alors longez le mur, mais. Oh là là. Et on mettez-vous devant lui. Ah, c'est bon. Attention, les dômes. Non, elle a mouru. Ah, je suis crabe à Bagdad. C'est le bordel, il y en avait partout. Par contre. Alors, ce doubleur là, on. On kick tout. On kick tout. Ok. Ah, on kick tout. Ouais. Non, faut le laisser. Attends. Non, non, vous cliquez tout. Ouais. Il y a pas moyen de laisser un caster avec un petit peu de stack. Non. Parce que là, il y avait plus personne qui avait de colère. Hein. Bah, je pense qu'il faut laisser passer un cast obligatoirement. Non mais sinon il n'y a pas moyen de laisser un caster avec... Pour moi, ce qu'on fait sinon...
Mais non. Au pire, merde. Étant donné que t'as un heal qui est un peu libre, qui aura toujours des stacks. Non, le heal il déstack vite justement. Le heal ouais, déstack oui. plutôt vite. Mais non, mais sinon il y a un des casters. Genre, je sais pas, le caster qui est au violet dès qu'il est à 15. Non, mais c'est stupide, c'est stupide. Mais pourquoi? Mais non, ils se font péter les uns après les autres. Oui, mais c'est stupide. Il y a 15 secondes pour les péter petit à petit. Hein. Oui, en lui, là. Et... ça me paraît quand même un peu compliqué. Bah, sinon, tu claques des CD. Non, mais d'accord, je claque des CD. Oui. C'est ça, non, bon, mais c'est des raids, je parle. Salve, hein. Si tu claques mais pas un CD raid, au moment où il casse CD son raid, truc. Déjà, ne vous inquiétez pas, il y a des CD raid. C'est pas CD sale, on va faire comme ça. Pas tout sinon. On laisse passer un cast. Ouais, vous laissez passer le premier cast. On verra après, au fur et à mesure des poules, s'il y a des timers chiants ou faut qu'on laisse le deuxième plutôt que le premier, mais. Moi j'ai une question. Ouais. J'avais la marque, donc on a mis des stacks et tout. Après il y a eu le truc qui nous repousse, la Shadow Force. Ouais. Le problème c'est que, ok, je me fais pousser avec le debuff. Je reviens et je prends le debuff en fait du losange et du triangle. Bah, passe pas par là, tu fais le tout grand tour par le centre de la zone. Ah, j'ai fait justement un grand tour, tu vois, ouais. Comme ça là. Sur le bord, mais d'accord. Ça m'a tapé quand même. Et il me restait 10% de vie en plus. Donc. Ah, mais je crois que bon. Moi je m'étais mis, je sais en fait, je crois que c'est moi qui t'ai tué avec mon Kourou. Puisque quand tu t'es fait pousser en fait, quand t'es après au niveau de là où je suis, toi t'as ouais. dû mettre un sprint ou je sais pas quoi, et en fait t'as continué de rester ici en fait. Tu t'es maintenu par là, du coup bah tu prenais tout dans la gueule quoi. Vaut mieux se laisser pousser j'étais... directement au rouge. Ah j'ai essayé de lutter, ouais, non mais ça au début oui, j'aurais pas dû faire comme ça, mais c'est en revenant en fait que je suis mort. Ah. En partant ouais. j'ai fait. De toute façon c'est la crise, y'a plus de. Parce que là, le problème, c'est que quand t'es cac et tu reviens, et quand tu passes dans les minis, à l'étoile, ouais. à l'étoile ou au rond, ben, t'es obligé de passer devant le losange et le triangle, ils te défoncent en fait. Bah, si tu passes par l'intérieur, genre t'es ici, passe par la via la flaque en plein milieu, genre tu fais le grand tour. Bah, ce que j'ai essayé de faire par l'extérieur là, où je suis là. Ah, non, faut, ici ça passe pas, je pense. Ouais, fais-le par l'intérieur, ça sera pas par l'intérieur, c'est plus long, mais. Ok, ok. Oui. Du coup, juste. J'aimerais plus de communication sur les colères. J'ai demandé à Chorizo d'annoncer quand il est fini, puis ensuite Izzy. Il y a personne, aucun des deux qui a parlé. Ou alors j'ai pas entendu. J'ai peut-être. Je me suis endormi, il y avait trop de. J'ai dit, mais je sais pas, peut-être mon micro s'est mal activé. Ouais. Et après Izzy, je t'ai pas entendu non plus. Enfin, j'aurais essayé vraiment de l'annoncer qu'on sache bien comment où on est dans la rota, qui va ensuite. Même si. C'est pas forcément simple à visualiser. Il n'y a que nous, on est 4, 5 à avoir à parler, donc il n'y a pas de raison que... Non. Non, il n'y a que toi, Zelot. C'est que ceux qui ont accès à la bêta Overwatch. Je me suis fait ban. Bon, j'ai la crash. Pourquoi il n'y a pas que moi? Vous voyez crash? Moi, je peux pas me rendre, hein. Moi, je suis en train de marquer. Bon, c'est bon. C'est Battle.net qui a lâché. Moi, je sais, c'est que ceux qui ont accès à la bêta d'Overwatch. Je l'ai pas. Non, je l'ai. Non, mais le serveur d'authentification doit être le même que celui d'Overwatch. Donc... Y'a pas de rapport avec Overwatch, ils ont envie de rajouter sur le fait que j'ai la bêta quand. Non, mais c'est le même authentificateur pour Battle.net, donc les mecs qui jouent à Overwatch ils sont sûrement en train de faire laguer leur serveur d'authentification. Y'a que moi qui peux pas me voir. Ouais. Non, mais t'inquiète pas, tu vas pouvoir te recours. ne sors pas de mytho. Ouais, on va pas te remplacer maintenant. Pense le jeu direct. Rassure-toi. Par contre, tu pourrais même pas tester Overwatch ce soir. Bien sûr que si, t'inquiète pas, j'ai plus gagné. Et la review off après, apparemment. Oh non, tu arriveras plus à te connecter et tout. Oui, attends, Kex, tu nous as dit que tu faisais de la review off. Là, c'est bon, tu veux de côté. On va t'attendre. On va commencer par le commencement. Sous l'océan. En tout cas, c'est bien, je suis un élément. Non, c'est qu'il n'y a personne d'autre de co en guise. Non, mais t'es indispensable juste aujourd'hui en fait. Ah, je peux tester une raid le dimanche, ça veut dire? Non, si tu veux. Bon, c'est. Y a, la bêta elle sera pas en ligne dimanche, donc tu peux venir. De quoi la bêta elle sera pas en ligne dimanche, bien sûr. Non, ils ont dit qu'il y avait. La jour sur la bêta dimanche. Ah, d'accord. Pas du tout, tu tires tes impôts. Doké Podium. Non mais si je joue à Fi on wipe Silot. Les deux démons en affli sur Gorfin.
appel, un pool, tout ça. Ah, t'es saoulé. Spread. On fait attention à la tempête, s'il vous plaît. Ok, on finit diabotin rapidement. Ok, on spike bien sur l'étoile, tout le monde. Prends le bump. Ok, on va prendre le fier tous ensemble. Un chaman qui a eu putain de chaud là. Il y a une démo aussi. La démo là, putain. Allez, spread dans la zone de heal. Belle. On défonce les diablotins rapidement. On peut d'une casser où ? Ok. Ouais. On bump. Ah pardon, on prochain. Prochain. Okay. Prochain par contre. Oui, je fais. Non, ça on laisse. Azu nous a tué. Je crois, oui. Quand on saute, on saute. Ouais, ça laisse. Non. Et Azu, pour pas que tu pètes là, faut... Le mob lui mette un coup. Et du coup, le kick, tu le veux avant, après, plus tard, je sais pas, ça peut changer, non ? Pas un reste de masse. Bon, le kick, en fait, ça change rien parce que c'est au moment où faut pas le kick, faut qu'il casse. Et la du RNG, coup, le temps de son cast entier plus le temps qu'après il me retape, c'est. Faut vraiment que je sois à côté de lui sans bouger, qu'il soit vraiment sur moi quoi au moment où. Parce que en limite, ce que tu fais, je le kick et là tu te déplaces déjà. Ça, t'auras pas le. C'est ce que j'essaye de faire en fait. Mais là, niveau timer, le Feltica m'a un peu surpris parce qu'il a pop instant pas le kick. N'oubliez pas la gate. Oui, je crois que c'est là qui met un peu de temps à sortir. Ouais, c'est pour ça qu'il faut bouger instant. Faut que je bouge, mais faut que je fasse gaffe quand même au debuff, parce que si je pars trop loin et que je suis déjà bas au niveau du timer, bah le temps qu'il me rattrape, c'est mort. Ouais, faut pas que tu le... En gros, faut qu'il mette une auto-attaque juste avant le casse qu'on laisse passer. Et bien sûr, faut que ça stack. Instant, peut-être plus vite. Hein. J'ai un peu tardé, peut-être. Allez go. Et le kick plus vite, voir si ça change quelque chose. Quoi ? Thank you.
attention à la tempête. Je fais. J'ai entendu donc. Je fais, je fais, je fais. Et tu es vite, c'est le matin, tu es vite le Doomlord, c'est fini. Et paquet en un point sur l'étoile, voilà. Prends le bump. Tu vas comprendre. Prends le fier, tout le monde. Tu as raise. Red, Flower Buff. On va faire un don, restez pas devant les TP, pas comme ça. Allez, foncez-moi ces diablotins. On est paquet, ça sera la gate, le prochain Falsifier. Moi d'enlever la. Ouais, c'est vrai que c'est moyen ça. Le cast il passe trop tôt là. Hein? Le cast est passé trop tôt, je crois qu'il y a kick plus tôt ou quoi. Ouais, j'essaie, bah justement, je kick plus tôt pour qu'Azu. Le kick était très bien. Pour le cut, ouais, mais c'est un peu cher. Parce que Azu, tu vois, je l'ai kick plus vite et du coup, il a pu bouger. Et... Voilà. Ouais, ouais, ouais. Après, je peux le faire à la fin. Vas-y, va t'emmerder. Tu l'as fait au début là ou tu l'as fait comment? Ouais, je l'ai fait. Bah là, j'ai kick ouais, direct quand il la casse en fait. Ok, bah fais-le genre vers le milieu. À la fin, que tu puisses restack, mais pas au tout début, sinon il, ça sert à rien de le délai en fait. Enfin, c'est limite pas un délai en fait. Ça va pas marcher. Voilà, en fait, ça. Ça s'est très bien passé, il a cassé le truc pour enlever les dooms au moment où il y avait rien. Ah non, il y avait le les fears étaient passés. C'est les fears qui. Les fears sont après. Felseeker qui gêne. Que ça soit après qu'on soit tous de l'autre côté du Felseeker. Il y a toujours des mecs qui prennent. Il y a du Felseeker. Normalement, vous êtes censé prendre 0 dégâts à ce moment-là. Ah oui. Parce que vous prenez la gate normalement. Bah si. Le fait normalement vous prenez 0 tick, vous déposez toutes les. Les météores vous les déposez au bleu, vous prenez la. Il y a le fail seeker, vous prenez la... le portail et au jaune y'a rien. Bah oui, c'est sûr, mais. Donc là le cast il est censé passer à ce moment là. Non il est un peu plus tard normalement. Mais. Ah mais je vais mettre. On fait quoi, on prend le risque qu'Azu pète dans le raid parce bah, que. Bah c'est ça en fait. C'est que si je le kick la moitié, Azu il va galérer pour reprendre un stack. Ah mais et on prend le risque de faire ça parce que les gens prennent pas les vidéos. Non mais c'est juste que c'est pas qu'ils les prennent pas, c'est que c'est... J'ai pris la gate démo, je me suis fait des pop entre les deux gates. Hein. Ouais, ouais. Ça, dans le truc tu fais quand même des pop, il faut la prendre instant et c'est juste un... Ils sont nuls, c'est que c'est pas possible de... que tout le monde à chaque fois prenne 100% la gate démo sans prendre un seul dégât. C'est pour ça qu'on délai, pour pas avoir ce problème. Non là ça sert à rien. Non à la base on délai pour pas que ce soit avec le fier. Non, le fear, c'est pas là du tout. Sur les fears, c'est je mets la. Si, le fear d'avant, le premier cut qu'on fait, parce que si on laisse passer le. Mais cut, y a pas de fear à ce moment-là, y a pas de fear. Non, c'est que ça délai, fait sinon, c'est... sinon ça fait Shadow Bolt, et juste après la Shadow Bolt, il y a directement le Fail Seeker et tout le monde est déjà mid life. Ouais, les fears sont pas du tout là, les fears c'est sur le double ordre d'après, je mets une AM à ce moment-là, y a pas de soucis. Allez, go. Bah, Azu, bonne chance. Je vois encore en fait, il peut pas restack. En fait, si je le cut au milieu du truc, ouais. Bah après, entre ce cast là et celui d'après, il a le temps de restack. Non, parce que le mob il peut. Parce que le mob met 3 plombes en fait à se rejoindre est-ce à la tête des hits. Une gate violette de l'autre côté. Ah. Ah bah plus tard. Eh bah, Azu, tu prends pas le bump. Tu te mets déjà de l'autre côté, tu t'en fous. Tu te déplaces avant nous. Vlad il s'arrête pour casse. Vlad il bouge et il s'arrête en même temps.
elle. Tu fais. Yep. Pas qu'il y en a un seul point sur l'étoile. On prend le bump. On reste sur Dora. On le rebuff. Si tu manques des buffs, tu nous dis Dora. Oh, il y a Ratchet et pas. Ok. Juste une boxe spéciale. Passe tout moi. Spread. On scellé, on se pack. Carré, et ça sera la gate sur le prochain Felsi qui aura les marques du bon sens à la vite. Je vais au milieu s'il te plaît. Okay. Très bien. On se les fire. Dans Inferno, il y en a un qui est au cac, ça restait pas dedans. C'est le prochain qui est. Oh, il y a... Par contre, t'as retourné le bosco. Ouais, faites la diablotin, attention à la tempête. Et pas qu'il y en a un seul point sur l'étoile. Dispel. Donc on le délaye pas, lui. Non, non. Ouais. Vas-y, tu veux. Elle bump. Oh, je le réponds. Mark of Doom, éloignez-vous bien, il y a les fires en même temps. Prends tous les fires. Il y a pas de soucis. Prends le prochain kick. Attention, éloignez-vous des infernos. Allez, passez le boss, tuez l'ad et tuez les infernos. Bon, tuez les infernos, comment ça. Aldry bouge. Oh mais les gars, mais... Eldry, tu fais quoi là-bas, quoi? Sérieux. Allez vous placer avec vos Gripping Shadow. Rapidement, stackez pas tout le raid. Le violet, Mili, le violet bouge. Chorizo, tu peux aller. La fiole, je suis ouais, à 13. Hein. Tu nous dis quand t'es en place. Pas non plus aussi. Tu nous dis quand t'as fini. Tout le monde paquet devant. Shadow Force. On me remplace. J'y vais. Attention les Shadow Force là, celui-là. On est vite, 3 barres, easy. Bon, c'est tout. Easy, tu peux. Ah non, Dora. Easy. Écartez-vous, Dora les casters. Ouais, non, mais là c'est pas possible. Je peux pas, Dora. Quoi, on rebarre. Trop de stag encore. Ah, mais oui, mais là. Moi j'en ai encore 13. Ah mais Dora t'es stacké. On laisse passer la volée ou pas? On laisse passer ça. Ah oui oui. J'aurai le prochain kick. Sur le deuxième pop de Diablo en P3, ouais. Coup, moi je fais ma shockwave dessus. Moi j'ai pas ma BS là-dessus. Pour celui-là là ? Dans le deuxième pop. Le premier ou ça a fait sûr, on a commencé. C'est le deuxième ou le troisième ça ? Non, c'est le premier pop de Diablo en fait. Mais c'est normal ça, parce que le boss reset. Le boss reset c'est CD. Ouais, et ce que je veux dire, c'est qu'il faut du stun dessus. Et là j'ai fait le mien, il faudra un deuxième stun derrière. Ça marche. Mais les gens n'ont pas encore les timers de Diablotin. Oui. Attends un peu, ils vont se faire un peu après. Oh, ouais, qu'à un moment je t'ai vu, tu étais à côté de moi, pourquoi en fait? Bah pour vous heal, mais vu qu'il n'y a plus personne pour stack, bah c'est moi qui stackais en fait. Mais ah, c'est ouais, pas. C'est... Pour... Franchement les gars,
honnêtement, les 6 là qui sont attribués au SOC, il y a que vous qui avez le droit de parler en P2, les autres ils ont rien à dire, ils vont devant le boss, ils font leur truc habituel, il y a rien à faire. Tu m'as pas entendu? Je pensais que Dora pouvait pas. Ouais, mais j'ai pas entendu. Et du coup, moi je pensais que Dora y allait. Après, j'ai envie de dire, on met un béret sur Dora parce qu'il est au middle, il pète sur moi. On met un béret sur Aldry parce qu'il est au middle, il pète sur moi. Replacez-vous instant hein, quand les marques of Doom elles sont pétées. Hein. Surtout, dites-vous que quand vous voyez Azu au middle de la salle, en général, c'est qu'il va péter et que vous n'allez pas être là-bas. Quoi. C'est un peu le même principe que sur le Council, c'est-à-dire que vos CD de déplacement, c'est pas pour aller vous placer sur votre team pour péter, c'est pour revenir. Exactement. Et deux des soccer qui étaient morts, donc forcément c'était pas simple, mais en soi il restait 30 stacks à enlever, 15 sur Maylie et enfin 15 sur. Moi je les ai fini par les enlever, je les ai fini assez difficile. Ouais, non, mais à toute fin, mais je veux dire, au moment où on est mort, il restait, je crois, ouais, 15 sur Maylie, 15 sur Dora. Ouais, ouais, j'ai été full des stacks en tout cas. Ouais, moi, je te le dis, ouais, de toute façon, j'ai eu le temps de les déstacker à temps parce que j'ai eu le temps de revenir pour faire mon grip sur les Diablotins. Donc, ça mette 3 plombes pour moi, même, enfin, c'est pas gênant, hein. Alors là, on était bien niveau timing, hein. Le boss était à 55%, on avait le temps de le. On avait fini les courroux, c'était nickel. Hein. Qui c'est le tank là qui va. Bah, celui qui tank pas le boss qui va déstack la lune. Le premier Infia. C'est l'Infia, et le deuxième, et ensuite c'est moi. Là, faut que je retourne le boss à ce moment là. Et Azu s'en déstack aussi. Laisse-moi lui déstack, parce que là j'en ai déstack, j'en ai enlevé 17. Mais je sais pas en fait, je me suis retrouvé à déstack l'étoile, je crois, sur le dernier pool qui traînait par là. Ouais, mais c'est normal, enfin, il était au bon placement, mais je sais pas, on veut mettre les cacs trop proches pour qu'ils puissent taper. Bah non, je veux dire, l'étoile était là au shot. Ouais, ah, ok, t'es un peu avancé. Par contre, si t'as la lune qui est censée être par là, moi je vais pas pouvoir prendre la lune. Il y a des joueurs qui étaient là où était Saku, genre à peu près là où je suis, là, avec le sanglier, et moi j'étais au rond. Du coup, en fait, j'étais obligé de me reculer en boucle. Mais pourquoi Saku serait là? Non mais là, je t'ai dit, là où il a mis son TP, mais pendant le pool, il y avait des gens qui étaient par ici, du coup, ils prenaient mes merdes. Ouais, c'est devant le boss tout le monde, sauf un healer, ça, en général c'est moi si j'ai pas la marque, sinon c'est Xu. Et c'est tout quoi, genre personne d'autre. Désolé Izzy, t'as eu la Shadow Force, c'est ça, et t'avais une... Ouais, du tout. Ouais, c'était cool. Ouais, en plus c'est pas passé loin, hein, t'as failli survivre, mais... T'as pas moyen de la DT, la Shadow Force, Pantheon, en termes de dégâts? Ah si, oui, tu DT là-dessus, évidemment, mais... Ouais, bon. Enfin, j'ai pas réussi à t'envoyer le heal avant que tu partes. Allez go. Attends deux secondes. De toute façon, mon pote, enfin potion de vie sur ce genre de truc, Shadow Force sous marque. On a besoin à quel moment sinon? Bah en P3 éventuellement, mais pas plus que là, donc si vous risquez votre mort ici. T'as compris Kiwi? Comment? T'as compris? Kiwi. Ouais, t'inquiète, t'es Kiwi? Oui. Comme tu répondais pas. Vous regarderez. Quand t'as le deuxième Lord, tu. Pareil? Ouais. Harry, je te dis un truc, là, il fait, c'est sans souvenir. En arrivant en P2, le deuxième debuff de la P2, tu le dispel genre à une seconde de la fin, tu le délayes un maximum, ok? Quand ça? Le deuxième debuff de la P2. Donc on arrive pas mal en P2 quand même là. Attends, limite une seconde de la fin et tu le dispel. Enfin, je joue pas trop avec la vie du mec parce que si tu le dispel pas, il meurt. Dispel. Mais non, attends, si tu le dispel pas, il fade tout seul. Ouais, mais ça reste le mec. Rate des buffs. Mais je vois pas par contre le timer. Je t'annoncerai à la limite. Pire, tu comptes dans ta tête 15. Je le fais. Alex, ça va faire du zin. Paquet sur l'étoile, tout le monde à un seul point. Peut-être faire le premier à la fin de la marque. Pour le premier, à chaque fois je le fais, c'est chiant. Reste sur Harry. Elle est tombée. Ouais. Je pense possible. Vous êtes pas bien paquet, les mecs. Non, elle était bien paquet, en plus. On va continuer. Xu, tu feras la dispel. Spread, attention. Inferno. Pas de spread. Bon.
marque le Markov Doom et vous placez rapidement, on prendra la gate sur le Fed Seeker. On kick. Non ? Oui, pardon. Ah, c'est bon, c'est redé, casu. Parfait. C'est juste parfait. Par Neil qui est à l'autre bout de la map. Il faut que tu prennes le kick. J'ai le temps de le faire. Le fire. Et mais le dépêche. Vous pouvez reste Neil. J'ai la reste. Non. Oh Zelda, je t'adore. Yep. C'est mort là. Ouais, non, mais on peut wipe. T'as les gars, d'être sérieux quoi, mais. Moi j'ai vu Zelda, c'était prendre nous dans les bois. Il est en train de sauter devant moi. Oh putain. Coucou Zelda. Merde. C'est mort, c'est pas rien. Bah, en fait, je les raise sur Azu. Non, mais le premier coup. Le debuff. Il a fade ou. Il a fade. Et en fait, je pense que j'étais plus loin que les autres. Et ouais. Le cast ouais. Est parti, il était en cours de trajet, il m'est arrivé dessus. Ouais, du coup, le debuff. T'es mort ici, non? Ouais. Ouais, bah c'est trop loin ici. Je l'ai vu. Non, mais. Enfin. Il est pas arrivé sur toi. C'était trop long, quoi, aussi. Enfin, normalement, il n'est pas censé. Si, sur celui-là, le deuxième, il est lent. Ça part à une seconde, normalement. Ça, le timer est parfait, pile pour une seconde. Mais vu que c'était un peu loin, ça fait. Je me rapprocherai, ouais. Ah, du coup, ouais, je disais, Dreams. Oui. S'il te plaît, sur le premier Doomlord, prends le kick après celui qu'il faut laisser passer. D'accord. Parce qu'à chaque fois, en fait, je sais pas si tu veux le faire ou pas. Mais vous inquiétez pas, hein, je suis là derrière. Non, pas le premier quand il pop. Oui, mais je te parle d'après. Ah oui. Après, moi je peux pas parce que je suis en BS mort. Ah d'accord, ok. Bon, ok, bah je le ferai alors. Généralement, à ce moment-là, si toi tu je vois que tu ne peux pas le faire et je sais que Benz il est en mode DPS comme un gros tard, je le fais celui-là. Non, mais je le ferai. Par contre, fais gaffe parce que là ça va, j'ai pas la marque sur le deuxième. Avec une chance que Azu il bouge direct le Lord donc. Mais je sais, mais je te suis aussi en fait. D'accord, j'ai okay. Compris, okay, bouger en avance avant le Fell Seeker okay, en bah, fait. Bon. Vu qu'on est des cas, qu'on s'en fout. Hein. Let's go. Seul fais gaffe, regarde, tu fais link sur TS, c'est les hits des Fell Seeker. Avant sur la gate. Enfin, c'est plus précisément le type des premiers Fell Seeker les plus petits. Oui. Ça combine pas les trois. Là où faut prendre la gate quoi. Il y a différents, ça prend des différents Fell Seeker. Oui, c'est les trois ID différentes. C'est trois ID différentes et là c'est pratique, ça. Que de la première. Rafia, c'est bon? Non, mais pas de délai sur la bague, hein. Je pense que c'est rentable. On peut les mettre sur les diablotins à chaque fois en fait. On peut mettre le ring sur le premier diablotin, je sais pas si c'est mieux. Et au pire, on essaie sur un pool, on voit si au niveau des PS c'est rentable et puis. Enfin, on est là pour tester, c'est tout à ce moment. Oh, on va pas le tomber au prochain pool. Ah bah pour 1 million de PO. Eldry il a dit qu'il donnait 100k à tout le monde. Ouais, 1 million à moi. 100k à tout le monde et 1 million à QP. Ah ouais. Bah, putain, le mec il veut vraiment pas tomber. C'est valable le combien de temps? C'est valable juste pour le dernier raid en fait. Ouais, je peux extendre jusqu'à aujourd'hui. Si je peux extendre jusqu'à. Quel seigneur. David Carambeau. Regarde BT comment il la claque, vu qu'ils font la paix en une minute de moins que nous, c'est qu'il a quand même bien cliqué. Et il la claque à 20 secondes, 15 secondes du coup, donc c'est-à-dire au moment où Manorod pop, parce qu'il y avait tous les events avant. Donc, t'es là au pool, c'est bien. Allez, go. Ouais, ça a rien de la délai, mettez-la au pool, c'est mieux. Et même si je pas 3 millions sur un diablotin, vous faites bien plus que 3 millions tous réunis en burst au pool. On a l'air en RAM. Mais proc, putain de passif de merde. L'autiste c'est dans la flaque au début. Hein? Ah, on a l'air de deux gros cons sous la flaque. Aux AMS au pool à chaque fois. Et à chaque fois, j'y allais après quand j'étais en combat, j'y arrivais pas. Et spread. Il
Attention à la tempête. Ok, tu fais. Tu fais le grip. Un reste sur l'infi. Évitez d'avoir un raid chaque fois au bout de 3 minutes de combat, enfin de 30 secondes de combat. Paquet sur le, l'étoile s'il vous plaît. Non. Rumble. Ouais, beaucoup trop long le devenir. Eh, tuez-le. Hein. Faut que les filles, attention Nayel est seule, elle est sur Nayel. Red. Red. Et ensuite on spike sur le carré, ça sera la gate sur le flat speaker. Ouais que ça crie. Et cassez-vous vite les marques outdo. On kick. Préparez-vous à gate. Go. Et on soque tous les fiers s'il vous plaît. Ouais, le prochain kick. Bien. Attention aux infernos, non, restez pas dedans. Un 16 stack. De mort, non. Ouais. Et spread. Aux infernos, restez pas en TP. Attention à la tempête en même temps, là c'est un peu le moment où c'est pas mal. Finissez les diablotins, il en reste 3, vite, vite. Arrêtez de débonne. Dispel, paquet en un seul point sur l'étoile. J'aurais pas le kick. On prend le bum. Faut Doom, cassez-vous. Finissez le Doomlord, ouais, on l'a cassé en deux. Finissez le Doomlord. En prochain kick. Bon, tout le monde sur Doomlord. Prends celui d'après. Kourou, cassez-vous. Là, j'ai le Kourou, moi j'ai le Kourou. Ok, sur les autres, tu peux y aller. Sur les autres, c'est à toi. Ouais, j'ai vu. Pas ton signe, avance. C'est pas des stacks avance, à l'air. Ouais, j'y vais, mais je peux. Ah ouais, putain, j'ai l'aggro. Manouer, je l'ai donc je peux pas sauter. Ouais, ok. Oh, c'est bon. GG, GG, c'est bon, on peut me remplacer. Vas-y, go. Vas-y c'est bon, dis quand c'est bon, j'irai ensuite. Tu reprends la vue après. J'y vais d'abord. J'irai ensuite. Là si y'a un diablotin solo. Ah. J'ai pas pris la bonne trappe là pour le coup. Prends le boss et Kiwi. Avec y'a un diablotin qui est excentré. Et il va péter tout seul, il essaie de péter tout seul, il reste va reste Gzou, faut le destack Kana Gzou dans le raid, c'est bon. Le sticker faut passer écarter les casters. Écartez-vous les casters, ouais. Et on se retrouve devant le boss. Il passe plus rien, il n'y a plus de debuff, il n'y a plus rien. Tout le monde devant le boss. Donc là, ça va être le deuxième double lord, tu le délayes bien, Harry. Il y a un reste dans 20 secondes. Il y a 3 secondes. Ok, il n'y a pas été délayé. Tu prends le bruit. Ah si, il restait 1 seconde là. Ok, ok, pardon. J'aurais pas le deuxième, mais il faut que tu fasses celui. Ouais. Ah non, on laisse pour lui. On peut laisser passer. Ouais, c'est. Attends, tu l'as délayé là? Oui! Ouais? Non, il faut le laisser pop tout seul en fait, je pense, en rec. C'est ce ah, qu'il mais fait, pas là. La... Je l'ai dispel à une seconde ou deux. Hein. Oui, mais en fait, il aurait fallu les laisser tout seul parce que, en gros, il a mis la marque. Non, ça ne la tue pas. Ça la pop juste. J'ai checké, ça le sort juste. En fait, le problème là. Oui, j'avais vérifié, c'est ça. Le problème, c'est que là, en gros, il a fait sa marque funeste. Et il me l'a posé au moment où j'ai pris le dernier tick de la Shadow Fort. Du coup, en fait, j'ai pété en instant. Oui, c'est ça, mais c'est pour ça qu'on délaye en fait, pour pas se taper un combo de ce genre, mais apparemment. C'était bien celui-là qu'il fallait délayer, c'était pas celui d'après. Non, c'est vérifier, hein. Mais en fait, t'as deux choix. Soit tu le ressors plus tôt, comme ça il fait la marque funeste avant. Soit tu le sors pas, tu le laisses sortir tout seul, et dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, normalement, ça fait pas le problème.
Oh putain. Vas-y, Rudy. Il est présent. Oula toi. C'est Francky Vincent, non? Oui. Ouais. En fait, fais ça sur le troisième, Harry. Sur le deuxième, tu délayes pas. On va tester. Sur le troisième, tu délayes un max. Ouais, mais là, c'était le premier. Tu parles du troisième Boomland en P3. Oui. Parce que là, vous avez fait le délai, mais c'était sur le. C'était ce que. Ça, c'était le premier Doomlord hein, de la P3. Enfin, t'avais dit sur le deuxième tout à l'heure. C'était le premier, on est d'accord. Oui, ah, là, c'était le premier Doomlord. Celui qu'on a eu avant, il faisait partie de la P2 parce qu'il a pop juste avant qu'on fasse. Non, il n'y en a pas qui pop avant. Mais si, là on a transitionné Mano sur le troisième Doomlord. Mais non. Si. Ok, bon, on a transitionné trop vite, bah. Pas trop vite, okay, non. J'ai pas checké. C'était non, bien mais... en vrai, mais. Ah, bah oui, non, parce que franchement, moi ça mange. Mais il faut plus vite dans ce cas-là. Allez, go. C'est ça en fait. Ouais, c'est. En fait, faut plus switch sur le Doomlord. T'étais mort plus vite, ça t'aurait pas fait, ça t'aurait pas gêné, Azu. Bah, le troisième Doomlord, il a duré quoi. Ah, il a duré perpète. Hein. D'habitude, on fait un ou deux quand même encore. Non, surtout par contre le deuxième, celui où on délai le kick, bourriner le. Test stack, c'est mort. C'est simple, une fois que les marques of Doom ont été posées, vous switchez tous dessus instant. Hein. T'es un bonhomme ou pas, Azu? Bah, c'est... moi je m'en fous. Je t'ai connu plus buzzy que ça, moi quand même. Le problème, c'est que je l'ai décidé pour rien. Je t'ai connu un peu plus couillu que ça. Non mais c'est Azu qui demande pas de CD. Gardez la rota que j'ai mis, les heals, faites juste pas ceux de la P1, ils servent à rien, c'était en bonus, mais on va pas les faire, on va trop vite. Je pense pas qu'elle soit si utile, tu vois. Tiens, mais un SLT, il sera revenu. Ça. Et cassez-vous et marquez le fait. Point. Ouais, et tout le monde sur l'étoile. On prend un seul point, on prendra le bump. Là, on se fait bump. On soc les fiers tous. Fais attention. Nickel, on les bump. Mettez pas dans l'inferno, s'il vous plaît. On est spread. C'est en deux. Ouais, vas-y. Tote pas le boss comme ça. Et Marc, cassez où? Bon, on est paquet, on se prépare à prendre la gate. La gate. Très bien. On va tous se cléfier. Et merde. Ouais. Le dos. Non, j'étais à la limite du bump, j'ai... Il est tombé, je crois. C'est le corps. Vas-y, faites-le à deux, faites-le à deux. Continue. On va passer que la P3, je crois pas. T'inquiète. On est spread. Tac. Dans la tempête, c'est là que ça fait mal. C'est on est paquet en seul point sur l'étoile. Paquet casu. Dream sur Kiwi. Paquet. Mark of Doom, cassez-vous. Ah non, c'est... Ok, tout le monde sur le Doomlord, finissez-le, finissez les infernos. Reprends-moi le boss. Les courroux, placez-vous. Putain, j'ai encore un coup. Ah, c'est pas de chance. Placez-vous, toi. On va pas sauter la lune, hein.
Je suis réseau, c'est bon. En place. Vas-y. Du coup, c'est bon. Vas-y, remplace-moi. Ok, j'y vais. Et j'ai un Shadow Force, super. Fais gaffe, Robard, tu sautes. T'as plus chaud que la lune. Ah, mais là, c'était à moi. C'est juste que j'ai. Avance-toi un peu. Ils sont pas assez écartés, mais c'est pas ça en fait. Regarde, si regarde l'étoile et non, Robard est mort en fait en soquant celui de du ouais, vert. Mais non, mais je suis mort parce qu'il y avait personne qui déstaquait aussi. Hein. Justin, c'est non, parce non, que non, j'ai non, eu la Shadow Force. Non, mais oui, mais regarde là, le violet et le vert, ils stackaient pas. C'est juste qu'il fait un strafe à droite. C'est pas le lucine, je peux pas le mettre au millimètre près au bon endroit. Ah mais je sais, mais ce que je veux dire, c'est que la personne qui a le truc, enfin en gros, quand vous avez le Kourou, vous êtes pas censé perdre de vie quand y a personne au milieu. Oui. C'est ça que je veux dire. Et en gros, Robard, ce que tu comprends pas, c'est que quand t'as le Kourou, t'es pas censé mourir en fait si y a personne au milieu. Y'a pas de... Bah, si y'a personne au milieu, je déstack ceux qui sont à côté de moi. Non, justement. Quand y a personne au milieu, t'es censé rien prendre. Quand il y a personne au milieu, c'est juste tu déstacks pas, mais tu prends pas de dégâts non plus. T'arrives à te placer hors portée 2 en fait. Il y a une, je crois que c'est 16 mètres la portée de déstacking. Donc si. Ah, si normalement les teams sont mis pour. De quoi ? Mais c'est pas une chance exacte. Moi par exemple, je vais m'avancer un tout petit peu pour pas être près du violet. Mais en gros, moi normalement, je suis au rond. Enfin, je devais être au rond, je me suis écarté un petit peu par ici. Et comme ça, j'avais personne d'autre. Mais à la limite, quelqu'un qui est en train de se placer au milieu quand Rek était au milieu, pour être sûr de l'avoir, bah, je suis un petit peu décalé. Bon. C'est pas gênant, mais il faut faire gaffe par contre, vraiment, quand il y a personne au milieu, à pas prendre les stacks d'autres, parce que là, t'étais à 15 stacks au bar, bah. Ouais, okay. T'es fait one shot à la fin, quoi. Ouais, je... Par contre, il y a autre chose, passage en P3, tout le monde devant. Ouais, instant. Bah, que vous faites, là. Parce que moi, je suis parti, vous me tuez le Doomlord à la seconde près, là, c'était bien, mais moi, le temps que je parte, si vous partez pas du bleu, je pète sur vous. Là j'en ai touché au moins 4 ou 5, je sais pas si j'en ai tué mais il y en a qui étaient très bas en PV. T'as tué Izzy je crois, ça y est. Enfin, c'est pas mal mais c'est le sacrifice les... nécessaire. J'ai sauté Eldri et Laura en même temps, ça va tuer. D'accord. Enfin, tu sais que tu es sous des terres. Hein. Non, enfin là ils avaient se placé, ils sur leur route quoi. Ils étaient sur leur chemin. Voilà. Ouais, donc pas de chance. Pire, crame en une, si tu as vraiment tu soques trop sans faire exprès, crame une des terres et puis tant pis. Normalement, on a assez de. Assez voilà, de ça a été. Ça a été trop rapide quoi. Au pire, on les finit à la main en rec. Hein. C'est ça, c'est au pire, voilà, il y en a une des terres cramée, bah il restera 8 stacks à faire à la main, y'a pas de soucis, hein, ça va vite. Allez, go. Mais moi, j'ai jamais soqué en fait, on m'a jamais. Bah, parce que t'es en dernier dans la rota et qu'en général, c'est à moins que vraiment on ait un bad combo, t'auras soque que sur la fin ou quand je te dirais, mais. Okay. Et c'est plus c'est les hunts en prio, le mage, et moi je le fais avant toi. Donc, mais je crois que tu vas le faire avant moi en fait, parce que ça m'arrange pas niveau heal, c'est pas très simple à ce moment là. Donc... Mais justement, dans la rota, je suis avant toi. Ouais, je sais, mais j'y vais toujours avant. Je vais essayer de faire avant. Allez, go. Okay. Niel, t'es là? Ah oui. 3, 2, 1. Vous aviez les CD là, la tranquille la bulle. Ouais. Et d'ailleurs, tu l'avais. Oui, parce que et j'ai pas claqué. Je me demande si je l'ai pas mis au deuxième pop. Ouais, on fait gaffe. Et le premier pop, il y avait pas de dégâts. Sur le deuxième, ouais, il si y a des dégâts, même sur ça, il aura tous les mecs qui ont couru, etc. Ouais, go. Ouais. On est spread. Attention à la tempête. Ils peuvent nous me casser haut. Je fais. Et on se pack en un seul point. Rapidement. On prend le bump. Il y a des gens qui sont trop proches. Allez, on soque tous les fiers.
aux infernaux, restez pas dedans. Prête dans la zone de heal. C'est pas okay. Oh oh, tout le monde fait diabotin, Pas grave, ils ont été paqués en. Ouais, mais bon, ils ont été. Et bah, Mark of Doom cassé vite. Forcément, paquet, on prend la gate. Ouais, bah, vous avez cut, hein. Vous avez cut, non? Oui, je pense que c'est ça, allez, ouais. Non. Bah, non. Enfin, je crois qu'il y a un cut qui est parti, mais. Bah, c'est pas vous qui avez cut, mais hein, quelqu'un d'autre a cut. Non, il y a. Bah, ça arrivait. Il y a eu le cut de fait par moi, le premier. Après, pendant le déplacement, une fois que j'étais passé au jaune, il y a eu le deuxième fait par Dreams. Et le troisième est arrivé juste après que vous soyez mort. Juste après, là, c'était à 2 secondes près. Hein. J'ai eu juste le temps de les recevoir sous Purga avant que ça fade. Et tout va bien. Non, je sais pas, il y a eu sans un délai. Ta cut à la toute fin du cast, Dream. C'est peut-être le dispel qui a été délai de 2 secondes. Donc, Non, je suis toujours. T'es sûr? Je suis sûr parce que à ce moment-là, il y a un. Je crois qu'il y a un cut qui a été. Il y a le 1-2-3 là, des Diablotins. Tu peux le faire plus tôt si tu veux. Non, c'est pas ça. Non, je pose une question. Il a été fait par quelqu'un. Voilà, pour qu'il soit autant en retard, il y a forcément un cut. Non, s'il n'y a pas eu le rebond du glyph de l'infia en fait. Non, c'est cut pas, c'est normalement. Sûr ? Enfin, non, c'est oui, c'est sûr même. Ah, je sais pas, les cuts, je vois ça, moi après. Je vois que t'as fait un kick. Ouais, mais regarde sur les pains. C'est un diablotin. Oui, il peut faire avec les diablotins pour le moment. Ça, moi, le bien, c'est les diablotins qui ont été bump au loin là. Ouais, sur le okay. Du côté bon. On verra plus tard. Il y a eu 2 cuts d'Azu, 2 de Dreams et 1 de l'infia sur le. Ok, ouais, ça va être l'infi. Non, c'est l'infi à ton shield, il a interrompu le truc, apparemment, d'après les logs. Tu vas peut-être renvoyer sur le double lord, enfin, pas. Non, ça rebondit sur lui. Non, les rebonds ils cutent pas, mec. Non, ouais, c'est que le. Je sais pas. Ce serait retard sinon. Carapo. Je sais pas, c'est pas là-dedans. Hein. Oui, non, je t'emmerde. Putain. C'est le DK qui parle, quoi. Moi, je suis prêt à tout croire, hein. Arrête, le paladin. Hein. C'est de la merde, Paladin. C'est de la merde, Paladin. Complètement. Regarde Vélarie. Même toi, tu peux. Regarde Vélarie, ouais, c'est clair. Bon, on parlera pas que du l'oracle, du coup, mais. J'ai un boss où je suis content, je peux faire quelque chose, quoi. J'espère. La tempête, Cove Doom, cassez-vous. Tu fais. On est spread. Reste sur un ballon. Il y a le train qui est trop loin. Peut-être du mono dessus, il va péter. Je vais stun. On bump. Il a pété. Bon, wipe. On a un. Oh là 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 là. Ouais, un whip sur ça. Le premier pop de diablotin, comment on pouvait mourir. C'est que. Tu vas être dans la soirée, c'est à cause de ça, quoi. Oh. Bon, c'est bon. Vous écartez pas trop non plus. Non, en fait, mon tourier est la proc, j'ai essayé de me tenir pour pas me rater ma bouffe perso. Mais le tank est pas mort assez vite, je crois. Ça y est, c'est la faute des tanks. C'est la faute de tout le monde. Ok, un petit c'est vrai que c'était la marque, je pense. Eldry tira plus loin et t'arrêteras de gratter du DPS. Est-ce que vous m'entendez sur TS? Là, ouais. Ouais. J'écoute. Je sais pas, c'est pour le jeu est planté. Ouais, mais. Vu qu'il est 51. Ah, tu rebootes le jeu?
Non, mon PC. Tu peux pas relancer le jeu là? Mais non, il est planté. Je peux même pas alt contrôle sup. Vas-y, dépêche-toi, parce que bon, il reste 2 trailers en fait. C'est qui le pool d'avant qui était au milieu sur les trois marques machin? Je suppose que c'est Eldry vu qu'il a assassiné. Non, Eldry il était à droite, je crois. Non, c'est je sais pas lequel. Il y en a un qui a la marque qui était. C'est un grand au milieu. Ah, si c'est pas Eldry, ça peut être que Harry. Ah, c'est Harry. Non, mais. Non, mais je pense que, moi je pense que c'est Eldry quoi. Non, parce que c'est trop bien, genre là. Mettre ma marque sans pour autant devoir courir à l'autre bout du monde. Si la marque est un peu proche, vous avancez un petit peu. Et... Sur l'étoile, normalement, je veux dire, la marque à ce moment. User joined your channel. Allez, devant ta porte. Hey. Pendant qu'on attend, Aurek, t'es là? Ouais. Je pense que ce serait une bonne idée de changer les attributs, c'est des bumps. Là, t'as mis tous les dos et tous les hunts. Et Thomas qui a fait, ça. Peut-être d'en mettre un ou deux max, quoi, mais pas tout le monde, parce que si tout le monde quand même, c'est. Okay. Chorizo, Easy, Zelot, vous en occupez. De quoi? Les bumps, y'a que vous qui les faites. Que si tout le monde les fait. Par contre, s'il y a des fois les bumps qui sont. Enfin. Faites pas des bumps si ça sert à. Non, mais juste un peu importe qui a tribal faire, mais faites pas des bumps si ça sert à rien. Genre parfois y'a des bumps, par exemple, Inverno, ils sont pas trop dérangeants, en plus ils sont paquets. Et faites pas de bumps avant les diablotins, ou alors on mettra un vortex pour éviter que les diablotins se fassent tomber. Allez. Ouais, puis aussi, dites-vous bien que les diablotins, genre ils pèteront, c'est pas parce que vous ferez un bump puis ils pèteront pas. Hein. Au bout, oui, de... rien, hein. Au bout de X secondes, ils explosent, on peut les stun, on peut les bump, on peut les grip, ils pètent quand même. Hein. Là, c'est... je pense que c'est une négociation, les trucs sont morts avant le bump, du coup, bah, le piège n'a pas pété. C'est des trucs comme ça. Hein. Allez, tu vas te faire foutre avec ta bague de merde. Je fais. Paquet sur l'étoile, tout le monde. Prends le bump. Arrêtez d'avancer trop, mettez-vous à votre place sur l'étoile. Tout le monde se défie. Restez pas dans les infernos, restez pas dans les infernos, merci. On est spread dans la zone de heal. Attention au TP, restez pas dedans. Pourquoi le seigneur il est sur les. Faut reprendre le seigneur. Juste qu'on. Je vais même là-dessus. Hein. J'ai pas un quoi que lancer. Attention, ça va être la gate.
Frigate. Là qu'ils lui prennent des tics, c'est pas normal. Et très bien, attention, on va tous soc le fear. X celui-là, je peux pas m'acheter. Incel Doomlord. Bon prochain. Paquez pas trop. Attention, il y a la tempête sur ce pop. Il y a plus de temps. Sur le grip de masse, là, il y a la tempête, les cargues, faites attention, vous voyez pas grand chose. Très. Il n'y a pas qu'il y en a un seul point sur l'étoile. Parle d'Alia Doomlord. Pivez bien sur celui-là. On va prendre le bump, on va prendre le bump. Ah, c'est le bump d'assassin de tank. Mark of Doom, on s'écarte. Laissez-moi la plus proche du raid, EAM. Merci. Pendant le kick. Bon, Canox, c'est un des derniers poules de toute façon. Ouais. Rodolphe Canox. Sur sa coupe. Ok, tuer tous les infernaux. Tout le monde sous le boss. Enfin, devant le boss. Et des gourous vite placés. Allez. Il y a eu encore sur moi. Tant pis, sur les autres, tu peux y aller. Ah non, je suis ciblé. Voilà, il y a déjà un easy, vas-y. Brave, easy, vas-y. Easy, tu nous dis. Bon, encore une. Ok. Dora tira ensuite. Vas-y. Dora, tu peux commencer à y aller. Vite. Ah, non, laisse-moi sauc, laisse-moi sauc. De force, viser les piliers. Nice. Là, c'était où? Ok, je vais sauc. Diablo, les diables. Laisse pas. Oh! Ta merde, c'est pas plus. On a un reste dans 25 secondes. Un peu soc. Manouer, vas-y. Sous bulle. Okay. Reste sur moi dans 16 secondes. Ouais, vas-y, allez dans le raid. Attention, fait seeker, le prenez pas. Ok, vous remettez tous devant le boss. Et j'ai encore des stacks, moi. Bah, va dans le raid. T'en as combien? Ah non, c'est bon. Force, pas attention. Ouais, restez spread. Hein. Et nickel, le SLT. Oh, putain. Les marques, cassez-vous vite. Allez, sauf les filles. What? Bah, y'a la volée qui est passée en même temps que le saut qui. Celle-là, faut la kick. Faut la kick du coup, celle-là. Ouais, on va faire un delay sur le deuxième casque comme tout à l'heure. Il y avait plus rien après, ouais. Il y a quoi après? Il y a le chercheur, il y a rien, on s'en fout. Rien. Ouais, donc t'as raison, on va garder la bulle, on va pas la mettre sur le premier. Le premier, il y a rien en fait. Je peux mettre la bulle sur ce pop là plutôt, Niel. Tu saurais le combien c'est? C'est le 2. Ouais. Attends, non. C'est le pop de Diablotin. En fait, on décale juste d'un pop de Diablotin et puis voilà. C'était le deuxième pop de Diablotin, ça. C'est comme avant, mais. Ouais. Meurs vite, l'infirme. Et comme ça tu pourras tranquille au début. C'est toi qui vas mourir, mec. Moi je suis chaud. On va faire un pool. On va te faire mettre boss de la merde. Mais l'ancien, moi je peux vanille. Et du coup vous faites un délai sur le dispel ou on kick? Le dispel du deuxième, oui. Mais là, du coup on aura besoin de... On kick pas. Non, là celui qu'on a vu, celui qui nous a tué, c'est le premier qui nous a tué Dream. Non, on continue comme d'hab, on kick le premier. C'est le premier de la. C'est le premier de la P2, le premier de la P2. Il faut qu'on kick le premier. La première salve après la Shadow. Après la marque funeste. Moi je vous ai vu tomber, elle et Manouer. C'est parce que. Enfin pourquoi? Ben on avait les forces et je sais pas, j'ai pas bougé pendant. Ils ont tout le cast et après à la fin ça me renvoie en dehors du truc quoi. Ouais, c'est, ouais, mais c'est ce que je t'ai dit Aurek tout à l'heure, c'est en fait des fois tu les comptes la plateforme et ça te pousse sur le côté et ouais, tu n'arrives pas à revenir faut vraiment c'est se vraiment mettre pile derrière l'invocateur. Si t'es pas derrière l'invocateur, ça va te pousser peu à peu et à la fin ça va t'expulser d'un coup. Bah c'est ça.
C'est un peu chaud. Mais il y a moyen de se replacer pendant normalement. Genre au début, quand ça te pousse un tout petit peu. Ça marche ou non? Quand ça te pousse un tout petit peu au début, tu peux te décaler vers le centre du pilier en fait. Et si tu le fais pas, par contre, après ça t'expulse. Le problème après, c'est la caméra, c'est... on voit rien. Ah bah ça. Mais bon, ça nous aide bien d'être dans le pilier, on a juste à penser à rien, tout pas au même endroit. Réfléchis pas, on s'aide et ça passe. D'ailleurs, j'ai eu le bug qui arrive parfois. Si vous avez le fire en plein milieu, c'est des fois ça, vous allez vous faire TP à moitié, faut pas paniquer. Okay. Revenez sur la plateforme. Non, ça te fait tomber et ça te re-TP sur la plateforme. On go ou pas ? Oui, oui. Go. Donc là, on fait un aussi beau try que celui d'avant. On tire sur une note positive. On est spread. Dispel. Attention à la tempête. Marc, cassez-vous. Je fais. On est spread, y'a les diablotins qui arrivent. Henri ? Ah ok, oui, tu décales du coup. Et le rani. Pas qu'il rentre un seul point sur l'étoile, vite. On fera un bump. On se fait bump. Et on sait tous les fire. Inferno, restez pas dedans. Spell. Et barrez-vous. On va se paquer sur le bleu et ça sera la gate dans quelques secondes. Et gate. Et revient rapidement, on soque tous les fires. C'était pas dans les infernos. Attention, ça fait mal sur ce pop là. Rien, très bien. Paquet sur le jaune, ça sera le dernier double or, donc cleave bien. Et on se prend le bump du Felsicker. Allez, on prend le bump. Très bien, paquet sur le bleu. Ok. Super. What happened? J'ai pris le bump. D'accord, Yehuda a pété et t'as tué les marques. Il m'a pas stack. Mais en fait, il m'a mis un stack donc du coup, j'ai voulu partir le faire péter tout seul, mais c'est à ce moment-là où il y avait les dômes qui me suivaient. Donc, D'accord. Crève, enfin, s'il te plaît, faut que je vois ce que t'as pris comme dégâts. Bah, j'ai pris explosion d'azur. Ton azur ? Ouais. Bon bah GG, ça va quand même pas mal avancé. Ouais, 46% je crois. 44, après c'est pas...